À la pointe. À la pointe de ton épée. Il y a des gens qui ont dit, Seigneur, pardonne-moi en ligne. Il y a d'autres qui n'ont pas dit pardonne-moi, donc vous n'avez jamais triché. De nouveau. On dit que le pasteur avait sagesse dans le chat. C'est pas sagesse, c'est ruse. C'est pas bon. Il brise ça. On fout dans tout fait, c'est la voix. Il ne peut pas penser qu'il a été demandé ça. Alors que le tonton est le premier. Quand ça n'est pas répondu, on a fait ça à côté de moi. Donc il a vu le quai. Maintenant, le moyen de changer ça. Et quand ça, le col ça, elle se coche. Elle dit, Philippe, il y a un nom. Et puis, il prend ce coche, là, il lâche. Et puis, le col le comme là. Et puis, le col après, il est là. Il porte sur ça, on met la chaussure. On prend la chaussure en arrière. Il se lève. Il fait de manière qu'il ne convoit rien. Bon, en classe, il y a un coche à doucement. Et il y a un coche, il y a porte. Regardez. La fille, il y a un péja. Il ne sait pas où. Mais à un moment, là, c'est gâté. Boileau sur boileau. Quand vous êtes dans des mathématiques, il est fond. Il porte jusqu'à faire boileau. Même correction d'exercice. L'exercice, même on fait en classe, il est fait boileau de ça. Parce qu'il était fan d'une fille balèze. Il m'a attrapé. Elle m'a bras. Il a tapé ça d'une façon. Au moment où il va aller taper ça, il là. On a fait des voix comme un matin aussi. Donc quand il fait des péjans, il faut qu'il donne de la salle à cette vie. Quand tu es pauvre, il faut aussi. Quand tu es une jolie femme, mais tu es pauvre. Tu ne voles à l'école. Quand il faut voir ton cas. Tu es pauvre. Tu ne voles à l'école. Il y a de l'eau. En plus, tu as grosse tête. Tu vois de l'eau. Ton cas est pire. Que Dieu délivre tous les vilains de l'école. Étudier les enfants. Allez là, tricher ne peut pas sauver. Soyez donc bien l'esprit. Et puis, soyez entrepreneurs. Soyez entrepreneurs. Soyez entrepreneurs. Il y a plein de personnes actuellement. À l'école, actuellement, il y a des gens, on va à l'école juste pour apprendre les bases. C'est juste les bases. Quand tu finis, il ne faut pas t'entreprendre. Actuellement, il y a des fonctionnaires, il y a des fonctionnaires. Ils veulent démissionner pour aller chez le professeur. Allez, créer l'entreprise. Quand tu es levé le matin, tu as venu t'adjoindre en embouteillage. Si tu ne vas pas venir, tu viens de présenter, tu n'as pas l'histoire. Tu as mis sur moi dans le même point. Pas bon. Non, les gars, quand tu es fonctionnaire, il faut épargner un peu et puis il faut investir. Il faut investir. Moi, je préfère te dire ta liberté là, c'est ton entreprise que tu réalises. Sinon, si tu veux vivre à ton salaire, tu restes clair. Tu ne vas rien devenir. Les gens se moquent de toi après. Tous les fonctionnaires qui veulent vivre à leur salaire seulement là. Si ce n'est pas peut-être que les terrains ont construit. Mais actuellement là, quand même tu as pris une maison, tu as fait beaucoup d'enfants. C'est au moins 3 semaines, tu as mis par location. Si tu as trouvé, c'est 150 000 par mois. 150 000 par mois et 200 000 par mois. Avec pension. Pension, le gouvernement ne peut pas te donner pension quand même. Ça n'est pas arrivé à 500 000. Ça peut jamais arriver à 500 000. Donc, il faut travailler. Il faut ouvrir tes entreprises. Il faut réaliser les plantations. Il faut avoir des biens partout. Les juste à la retraite là. Tu peux manger à l'aise. J'ai fonctionné, vous avez compris. Mais là, si je ne suis pas fonctionné en plus, là, vous n'êtes pas fonctionné, vous voulez rien faire. On doit aller chicoter. Jamais. Tu es parti à l'école, tu as envoyé. 1. Tu es au chômage. 2. Tu ne fais rien. Le temps pourrait pas prendre un métier. C'est compris. Allez, ne prends pas. Ok, il ne faut pas prendre un métier. Il faut compter sur ton nom pour t'attendre. Vous êtes établi au mon nom. Conseillez à tous vos enfants d'être entrepreneurs. Vous qui avez un peu d'argent, vous faites des entreprises. Entreprises n'ont pas bien forcément des millions. Même à partir de 50 000, 20 000, il y a des petites choses que vous commencez à faire. C'est combien? Soyez entrepreneurs. C'est le conseil de la voie des machines. Parce que ça, c'est pas joli. Tu es là, tu dis, bon, tu travailles. Mais tu travailles. Vous pouvez imaginer, ils ont fêté ton enfant dans une école qui coûte 700 000 francs par an. Actuellement, tu es fonctionnaire, tu as au moins 400 000 par an. Ton enfant va dans l'école où c'est 900 000 par an. Sans oublier habillement, transport, fourniture. Il n'est pas le seul enfant. Tu vois, ton fonctionnaire, tu as assis au travail. Le bureau est là bien climatisé. Tu as vu dans ta mère, on a tellement toi que tu réfléchis. Et si, pourquoi? Ton enfant ne te regarde, il ne te regarde pas. Il n'y a pas l'argent, il est là, petit. C'est-à-dire que tu n'as pas l'argent à l'école. Où on t'a envoyé 900 000 francs de maçon.
inscription 800 000, scolarité 900 000. On y avait quoi comme ça? Ça y est, André, ou Bluetooth, c'est le respect. Si il dit à tel vraiment, fait 1 700 000 sans oublier tenue scolaire. Tu comprends? Il y a quantité là-bas. Le plat le moins cher, c'est 2500 spaghetti. Tu comprends? Faut pas étudier. Faut pas réfléchir pour ouvrir quelque chose pour rester la pensée. Non, comme je suis fort à l'école, et puis la personne qui est, ils l'ont fêté là-bas, il y a une très bonne moyenne en terminale. T'as posé moyenne. Mon monsieur qui a des moyens de classe, maintenant pas que là, de la douce comme ça. L'envoyé là-bas, ses parents n'ont pas l'argent. Sa maman, quand elle voyait de sa même maman, elle me dit pasteur, ah, ta fille là-bas, tu as le corps, quelle fille, moi, quel fils. Elle dit non, voilà ta fille, ma mère, tu me connais. Elle dit non, tu vois ce fils, il est enchanté. Elle dit, toi, tu prie à moi, ça fait de l'année, elle vient. Dieu dit, elle est 1700. Il dit, ah, il se m'a fait d'un coup. Où ça? C'est pas la sorcellerie qui est là. On t'a jamais vu si on ne te connaît même pas, et comme ça, t'es arrivé. Parce que ma fille n'a pas battu. Je t'es où même? Elle m'a habite ici, je te vois tous les jours. Je commande des vidéos là. Elle dit, ah, faut bien commander. Alléluia. Ah, on ne peut pas comme ça. À tes moments, je t'ai tiré. Je n'ai dit, là, j'ai mangé 1000 francs. Elle dit, tu veux 1 700 000. J'ai le nom agent de terrain à 4 000. Tu veux la 4 000 dehors. Bagaille de tuer sa raquette sur la rue. Et lui, les gens sont hypocrites dans le quartier là. Tu m'aimes pas, tu veux mon âme. Asma, pour dire 1 700 000, il ne faudrait pas ça de moi, il paye là. Il dit 1 700 000. Maintenant, il m'appelle pas ça. Il veut passer dans vos bras. Il dit, mais qui t'a convaincu que le Seigneur m'a mis à cœur que les 1 700 000 sont dans son sein? Et quand il dit, parlez, tiens, vous donnez dans le bras, il faut lui dire, moi, il n'a pas dit. Comme elle a appelé Babi, il a dit, voilà ça, là. Elle a vu beaucoup de mouchoirs de un pic bleu, un rouge. Et puis elle a vu mes pantalons. Elle a vu ma pique, beaucoup de bagues, là. Je lui ai montré, quand il est prophète, elle a vu beaucoup de petits bleus, blancs, rouges. Elle dit, hé! Il y a pas de là. Il y a 1 700 francs chez moi. Il dit, eh, j'ai compris, il y en a en prière. Il n'a pas compris. Où est les gens? C'est un conseil pour lui. Souvent, quand les gens vous demandent service, je ne sais pas tout qui vient de Dieu. Les gens, ce sont les agents du diable. C'est pour t'appauvrir. Il faut remarquer ça, qui t'a donné l'argent. Depuis que tu as donné l'argent là, tu gagnes plus l'argent. Vous pensez, quand Jésus se promenait là, tous les aveugles là, pas t'être prié pour eux. Voici, peut-être que quand quelqu'un a fait, il vient prier pour toi. Quand quelqu'un l'a dit, il y a un caractère, il prie. Son papa même n'a pas prié pour lui. Elle l'a pris d'abord. Ils ont tiré son appartement, elle est pourri, fatigué. C'est tantie, la même sa tantie, elle a fait un mariage, elle est morte, son papa. Quelqu'un le comprend? Donc ça veut dire que tu ne dois pas tout faire. T'as oublié? Dans ta famille, là, tout n'est pas à ta charge. Pour commencer à donner conseil à tes parents. Commencer à donner conseil. Laissez quand mes frères t'envoient, fais-moi là. Tu vas comprendre ton commerce. Tu vas compter sur moi, fais-moi t'envoyer encore. Au moins, c'est bon. Commencer à donner. Il y a des gens, depuis qu'ils sont avec moi, ils connaissent monsieur. Il est très bon, joli garçon. Il y a une de mes filles, elle est en France. J'ai fait de moi là-bas 300 euros. Dis-moi, ça fait combien d'années, ça fait 10 ans. Chaque fois que moi, j'envoie 300 euros. Il dit, c'est qui? Il dit, non, c'est le frère de mon mari. Comme il a perdu son travail là, il faut l'aider. Frère et soeur, 300 000 francs chaque fois que moi. Tu peux faire ça. Et pendant 10 ans, il ne fait rien avec. Il est là, il attend. Et quand elle attend, je m'appelle 17, elle n'a pas encore envoyé. Il m'appelle parce qu'il faut que je m'appelle là. Et c'est pas normal. Les enfants, ils sont faits. Et puis, je suis au téléphone. Tu le vois, il sent même plus que le mari de la femme. Même. Et il a dit, ma fille, pour lui envoyer 500 000, il n'a pas besoin de faire quelque chose. Et puis, ça s'arrête là. Elle dit, il a compris. Elle a envoyé 1 million. 2 mois après, elle a perdu ma fille. Il me dit, parce que tu as vu le mari qui a de beau. Il s'est oublié, c'est mon beau. Si, il ne peut pas y avoir mourir. Elle a serré son père. 2 mois. Elle a appelé, ça passe, mais pas moi.
Allez au départ, vous passez par là, il fait, il a des tapés briques. Tu vois, briques, non? On met, on tape comme ça, il tape briques avec les vies. Il suit un outil, il met, c'est moi, il a un sac, il tape briques. Quand ça chauffe là, il n'est pas dit, acheter ça. Un ciment, il a tapé briques pour moi. Quand ça chauffe là, on voit si les gars, c'est vous qui faites bien, rien ne change pas. Il tape briques. Si quand tu vois, t'as pris à côté des chantiers, il y a même acheté brique. Là, si comme là où ça aussi, moi, si moi, il m'a pris. Rien de plus. Demandez à l'éveil, il dit, ouais, elle est là. Et ça va, ça va. Au début, il m'a dit qu'il gère quelqu'un, là, c'est plus bien. Et demandez à ceux qui travaillent, mais on va pas patron. Il dit, patron, il est couché là, il me laisse, il sait qu'il m'a pris, il s'est pas tranquille. Il faut les comptes. Allez voir les épuis, il avait l'intérêt pour louer ça. 5000 francs par mois. Il s'est dit, t'as pris. La façon de t'as c'est là. Il a deux bras, tes mains marchent. 300 000 francs, même petit. C'est qui gagne là, mais pas 300 000. Mon frère, ouvrez vos yeux, allez baraquer. Un homme qui travaille pas, c'est pas moi, allez baraquer. Qui gagne le mot de baraquer? Baraquer. J'ai fait le mot de l'homme à 4 points. Attends, mais il faut voir. Mais il faut voir. Alléluia. Il y a quelqu'un, allez baraquer. Dis plus fort, allez baraquer. Allez là. Il n'y a plus d'avoir, déjà. Il y a trop d'escrocs. C'est pas bon. On rend service. Mais service, ça devient de la nappe. Ne venez plus de demander ça. C'est bon, rien. Allez dire à vos connaissances, pasteur est dans service. Mais la ténacité. Vous pouvez passer dans service. Maintenant, la ténacité. Voilà. Là, on apprend. On peut acheter votre terrain. Voilà. Si ce terrain, 4 millions, on doit acheter ça. On n'a pas envie de partir derrière l'animal. Ma chérie, si on avait derrière l'animal, tu avais une prière de soin là-bas. Junior. Tu as pas tiré de mal là. Dernièrement. Asra. Tu as bien fait la leçon là. Dernièrement. Pitié, pitié. Ouais, pas pitié. Faut pas faire pitié. On va te rappeler leur courage. Qui se sent en aïe. Descend. Chaque fois, il m'en donne. On va cotiser, cotiser jusqu'à. On va acheter qu'il est. Et on va dire le temps pour Dieu. J'ai la foi. On va y aller. Amen, amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Tu es là, tu es abandonné, tu es paresseux, tu es là, tu penses les gens. Allez, baraquer, on rentre dans tous les couloirs. On me voit en train de puiser l'eau. Il puise l'eau et met dans le bidon. Et puis, il est parti vendre. Tombe là. Il va mettre ça au four, il va donner l'eau dans le bidon. La femme là m'envoie, il m'a acheté. Puis il envoie. Il y a 5 enfants dessus. Jusqu'à le soir, il y a 1500. Il faut dépasser les 5 commandes. En ce moment, il n'y a pas quelqu'un aussi qui est là. 1500 a été boss. C'était dans la crise, il n'y a pas de travail. Même taxi ou quoi. Il me signe ça, chaque soir. J'ai mes clients. Elle dort la nuit, moi je ne dors pas la nuit. Donc quand l'eau est là, plus tout. C'est là. La fille. Mais maintenant, elle est même pliant pour aller là, même pliant pour ça. Là, non, allons, parce que ma fille est à l'école, ça fait 1 700 000 francs. Ton enfant bête là. J'aimerais venir demander quoi. L'université pour voir jamais qu'elle a ton enfant, papa, pour partir là-bas. L'université pour voir qu'elle a ton enfant, papa, pour partir là-bas. Où tu es parti à 1 500 000, ton papa n'a même pas une télévision qui coûte 20 000 francs. Je vois la maison. Il n'y a pas de télévision. C'est pas que demain, l'université à 1 500 000. Où les enfants bêtes, bêtes là. Regarde, couleur de habit de ton papa avant de demander qu'on neige. Faut regarder les chaussures de ton papa pour ça pour combien on marche avant de demander qu'on neige. Ma mère, c'est toi, tu es là. Non, il veut partir dans l'école où il y a les blancs. Non, il veut qu'on accorde la fête à Memos. Tu penses que nous ne connaissons pas Memos? Tu peux la demander si ma. On peut dire, mais, connais là-bas. Quand tu vas accrocher ton avis là, et puis tu es dépendant des emplois de chaque euro, c'est lui qui met ton avis en haut. Pour commencer à cacher comme ta main. Sinon, le clé, nous accrochons le son là, on arrive à descendre là. Timothée, il faut approcher ton ami, il faut mettre ta main. Il ne faut pas être esclave des gens. Amen. C'est bon pour tout le monde. Amen. Allez, baraquer. Et on a 4 rabats. Allez, baraquer. Et puis il y a les gens qui sont bêtes. Tu es dans la famille de pauvreté. C'est vrai, il y a tellement de papa qu'on se t'en va construire quoi. Sa maison n'a rien à son aller derrière le bas. Il y a 10 ans, monsieur, ici, il est milliardaire. Il lui a dit. Pour fermer toutes les portes de tes maisons que tu as construites, il faut voir si la vie va s'arrêter.
tes usines actives, tu as moins ce que moi là pour lui, tu n'es rien. On parle de celui qui empêche le soleil de briller, les gens tremblent sur la terre. Donc rien. Faut pas dire mon papa l'argent. On parle pas de ce que ton papa a quoi, tu as fait quoi, David, il a mis Salomon au monde. Mais on parle de Salomon, qui est l'homme le plus sage, le plus riche. On a oublié son papa. T'as oublié, faut faire oublier ton papa. Pour lui chercher à dormir dans la maison de ton papa. Si la télé l'homme en bas où tu sais pas, tu veux rien terminer quoi. Faut pas chercher à aller devant Abraham était chez son papa. Tu lui as dit Abraham, allez où lui? Bah, il y a un pays qui montre. Quitte la maison de ton père, quitte la maison de ta mère, quitte la maison familiale, va chez toi. La mère n'est pas la même partie de la riche. Ma grande soeur, elle dormait chez le vieux. Je lui ai dit, moi je donne à l'église, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Mais tu ne demandes pas de te témoigner. Elle dit oui. Voilà. Voilà, il dormait chez le vieux. Elle dit, il y a fait comment il va, vous chercher moi. Elle va trouver sa camarade. Moi, ça tombe bien pour les gens. Oui, les gens, actuellement, elle est chez elle. Tu me comprends? Elle travaille. Elle ne demande plus l'argent. Ma fille, faut dire qu'elle est tombée sur ton papa. Tu as quoi d'emprunter? Tu as pas. Tu as cessé de tomber même avec tes enfants. Tu es chez ta maman. Elle t'a mis au monde là. C'est plus en charge quoi. Quand tu as sorti, bref, tu vas à ta maman, va la sortir. C'est de cette même manière que tu ne demandes pas ton papa. Ma chérie. Premier jour, je vois ma fille, elle a une dame. Elle fait mariage. Même si je n'ai pas de la rue. Je suis ma maman pour ça. La donne est gratuite. La donne est gratuite. Moi, je ne prends rien à quelqu'un. La mère donne au-dessus. Moi, je ne prends rien à quelqu'un. Je ne présente pas la même dot. Je ne prends pas la dot. Tu viens dire, ma dot, là, c'est une bille. Pas si je suis une bille. M'envoie une bille. La mère t'a même dessus. Ma fille, elle s'en va là. Et faut pas se parler sur ma personne. Faut pas prendre ton kiki. Mais on est d'accord. Mon père va l'appeler et dit maman, ça fait un mois que je ne peux pas l'appeler. Petit, je t'avais suivi. Dans tes bibles, Maroc était là avec Dieu. Je respecte ça. Petit, fais-moi pas ça. Télé, prends tes bras, lâche ton mari. Même je vais bénir mariage à l'église. Pas tes choses. C'est toi qui as grandi, tu t'arrêtes dans la vie à garçon. Demande-moi pour voir si collègue est le coup. Quand tu es venu ici, elle n'a pas donné, n'en fait pas. Demande au vieux, ton petit là, que tout le monde traîne de ses pauvres étranges. Il ne va pas tourner. Il ne connaît même pas, mais. Maman me met ma petite bonne. Et elle, il pèse. Maman, pas, il pèse. Et la mère, il va dire, pas de mal au vieux, on va t'expliquer. Moi, il ne prend pas, il pèse. Vous les percevoir. Mais je ne les connais pas, il dit, maman. Le jeu, il a donné une fière à la maison. Elle dit, c'est ma femme. Le jour, tu as mis la même, mais un garçon devant moi, on ne met pas des garçons, il est bon, tu as mal. Pour qu'il prie à moi, il dit, pourquoi pour le voyage, pas moi, mais tu m'appelles, non, parce que voilà mon mot, hé, quand tu es marié à lui. Si tu m'as dit, ça s'appelle Alain, lui, tu veux me dire, ça s'appelle Yves. Et j'ai crié, j'ai Alain. On ne change pas. Voilà la France. La personne pour tout. Amen. Elle est très d'autre. Oui. Bonjour à moi. Mais tu vas montrer ton oui là, c'est ta vie. Même si tu vas faire alliance ici. Tu vas plus ailleurs, elle va plus ailleurs. Taper les lançons. Junior Colin. Et c'est qui, merci moi ça. Mais maman va prendre un rien seulement. Le jeu la fin, elle va faire mon oui, c'est fini. Marade là. Samedi, on peut te le montrer pour toi. Marie, je vais le montrer pour toi. Bassin, je vais le montrer pour toi. Le jugement, merci. Tabitha, Tabitha, on peut te le montrer ton bras. Mon petit, tu m'as appelé, on peut te le montrer ta femme. Ouais, c'est l'église parce qu'il passait les jeunes, toutes les filles ont voir. Timothée, on peut te le montrer ton oui. Dis-le, mon petit Timothée, les célibataires. Parce que c'est pas un enfant. Lui là c'est naissance. Il est très bien qu'il y a des mains. Timo, quand tu as monté ta femme, il a appliqué la SN sur les filles, elles ont cassé son cou. Pitié, c'est un
C'est dans la galère que la loi tout. Même si on dit les galères actuellement, mais ça galère les gens qui l'ont dit. C'est Dieu qui a donné le premier. On me dit, une femme qui a supporté la galère, c'est elle qui est ta vraie femme. Mais quand tu as sauté la télé, tu as fait 2 millions de vues, 10 millions de vues. Dis-moi, on me l'a dit, vous pouvez croyer ou pas ce qui est. Mon petit beau-père, quand c'est son bouillard, il s'est arrêté dans le pied, plus il est allé et lui, mon petit tape au dos. Vous êtes dans la cité. La tape au dos bouillée. T'as tapé pour toi aussi. T'as pas non? Dieu la voix là, tu t'as une peur. Ma vie, vous allez faire bien ceci. T'as pas fait ceci, une femme, t'as même pas resté collée. T'as regardé, Marie de tête, son bas, ta bouche, tes yeux, c'est une autre là. Convoitise la chair, c'est péché. Le Seigneur, si tu vois femme de tête, tu convoites sa dignité. Tu sais pas ça? Laisse parler les gens. Et toi, t'es là, tu fais film dans ta tête, tu es couché à la maison, tu fais ce que tu as. Tu fais le truc, tu cries pour ta femme, ma fille à moi, papa, y'a rien. Tout ici, la maison, tu serais délivré au nom de Jésus. Sors. Et le truc, fais film. On vous dit, faites l'expression, et que t'as vraiment zéro. Alléluia. À la pointe de ton épée, Exode 17, verset 8 ou verset 15. Exode 7, verset 8 ou verset 15. Quelqu'un comprend? Exode 7, verset 8 ou verset 15. Amalek vient combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort, le plus fort. Les mains de Moïse, nous sommes à Exode 17, verset 12, les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au côté du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek dessous les cieux. Moïse bâtit l'autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre et l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alléluia. Amen. À la pointe de ton épée. Il est question ici d'un message. Bon, moi j'appelle ça un message prophétique. Mais c'est un message de l'esprit. Tu peux lire le mot que tu vois, mais c'est pas ce que Dieu veut vous communiquer. Alléluia. Dans ce texte et dans cette histoire que nous partageons aujourd'hui, le Seigneur mesure ta délivrance à la pointe de ton épée. C'est à la pointe de ton épée que tu auras la guérison. C'est à la pointe de ton épée, les sorciers qui vont te condamner. C'est à la pointe de ton épée que tu vas les vaincre. Amen. C'est à la pointe de ton épée que tu auras la délivrance de ton âme. Il y a un démon encore qui te vaincre. Tu as encore une faiblesse. Tu pries, mais la chose ne change pas. C'est à la pointe de ton épée. Ici, ce n'est pas le pasteur. Ici, tu n'as pas besoin de quelqu'un, mais toi-même, tu dois sentir la sueur. Tu dois vivre la chose pour avoir la victoire. Il y a des choses où une parole déclarative peut changer ta vie. Une onction d'huile peut changer ta vie. Une imposition de même peut changer ta vie. Même les décisions de quelqu'un peut changer ta vie. Simplement, même le contact avec un homme de Dieu ou même dans l'adoration. Mais ici, Dieu dit, attention, il y a des gens qui ont décidé de s'attaquer à votre vie. Il y a des gens, eux-mêmes, sont venus à des rêves pour vous attaquer. Mais il y a des gens qui ont ouvert leur bouche pour dire, toi je vais te tuer. Toi tu vas jamais te marier, toi tu n'as jamais reçu. Tu ne voyageras jamais. Tu entends lui. Quand on est dans cette posture, mais c'est à la pointe de l'épée. Quand la guerre est déclarée en toi et puis les sorciers, il n'y a pas de camaraderie. Physiquement, on se salue. Même on peut manger. Mais spirituellement, il faut combattre. Alléluia. On est en 2022. Va-tu aller chercher une épée?
Va tu aller chercher l'épée? Non, c'est pour ça qu'il est allé. Alléluia. Il ne savait pas que l'épée physique ici. Alléluia. C'est pas une épée physique. Mais avant de décortiquer un peu les mots qui sont dans ce texte, je vais vous expliquer un peu qui attaque qui. Israélite, c'est le peuple de Dieu. Moïse avec Josué. Et où est-ce que tu as sont les enfants de Dieu. Les Amalekites, qu'on appelle les fils d'Amalek. On les appelle les Amalekites. Ceux-là, ils sont les agents du diable. Tu es l'ensemble des mystiques, des sorciers, des féticheurs, de ceux qui ont mis à ta vie. C'est eux qu'on appelle les Amalekites. Tu peux prendre note. En Jérémie 36, versets 6 et 12. Les Amalekites, c'est le peuple descendant d'un petit-fils d'Ésaü. Ésaü est le frère jumeau de Jacob, qu'on appelle Israël. Ils sont entièrement opposés. Donc, les Amalekites, c'est un peuple descendant de l'un des petits-fils d'Ésaü. Vous savez comment? Ils sont des mêmes pères et mères. Mais il y a un qui veut manger l'autre. Il veut tuer l'autre. Même ils sont les mêmes jours. Ils sont jumeaux. Même dans le ventre de la maman, elle se bat. Le jour de la naissance, il y a un qui a pas même fait de l'autre. Il dit, tu ne sors pas. Tu comprends? On n'a jamais vu ça. Jumeau est. Dès qu'il est sorti, il y a un pied qui reste avant les enfants. Pied la sort, on dit, petit a travaillé bien. Israël. Ah, joyeux. Et il y a plein d'Esaü ici. Et c'est eux, leurs enfants qu'on appelle la Malekite. Donc quand on appelle la Malekite, c'est un vrai sorcier, un mystique, un enfant du diable. C'est pas parce que tu es chrétien que tous tes enfants sont chrétiens. Arrête ça. Leur père s'appelle comment? C'est comment? Isaac. Tu as entendu? Les deux enfants que nous avons eu, elles s'appellent Jacob, l'autre s'appelle Israël. Et les Amalekites sont les descendants d'Israël. Comment? Vous êtes descendants d'Israël. Maintenant, vous voulez combattre Moïse. Moïse nous l'a rappelé, mais nous sommes vos frères. Votre grand-père, c'est notre père aussi. Nous sommes les enfants de Jacob, le frère de votre papa Israël. On s'en fout de ça. En sorcellerie, il n'y a pas avec le dimet que tu me donnes l'argent, que tu me prêches, que tu fais les bonnes choses. Sorcellerie, tu ne connais pas ce qui est bien. Même si tu veux construire une villa, tu prends tout ton village, tu construis une villa au village. Tu mets tous les villageois, chacun a une villa. Tu mets au toi le courant, au toi tout dedans. Ils vont t'attaquer comme toi. Tu me comprends, non? Et le problème de nous, les chrétiens, on est trop négligents. On est trop négligents. Quand on parle des épées, c'est qu'il y a 100. On peut lire le verset là, Genèse 36, verset 6 et 12. Pour que vous compreniez un peu l'histoire. Parce que les gens pensent que les sorciers vont finir. Sorcier ne finit jamais. Tant que le soleil va exister, il y aura sorcier. Tu as compris, non? Sorcier ne finit jamais. Quand il s'en va, sorcier c'est un esprit. Le corps physique est là, mais c'est un esprit qui fait qu'il est sorcier. L'esprit ne meurt pas. On l'enterre, mais pas dans quelqu'un d'autre. Tu m'as compris? Au final, Genèse 36, verset 6. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail, et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan. Il s'en alla dans un autre pays loin de Jacob, son frère. Tu as compris? Maintenant, dans le verset 6. Juste avant le verset 12. Donc, Genèse 36, verset 6. Verset 12. Et Timna était la concubine d'Eliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Eliphaz Amalek. Tu as compris? Tu as compris, non? C'est Amalek qui a fait guerre à Israël là-bas. Tu as compris maintenant? Je ne vais pas verset 12. Et Timna était la concubine d'Eliphaz, fils d'Ésaü. Frère de Jacob. Même père, même mère, jumeau, mais veut tuer ses frères. Elle enfanta à Eliphaz Amalek. Et Amalek, ce sont là les filles d'Abraham, fils d'Ésaü. Tu comprends? Il ne dit pas Ada, Ada, c'est non chrétien. Mais il est dans quel côté? Parmi les mapes là-haut. Et s'il est des hommes, les pervers, les homosexuels.
C'est pas n'importe quel nom donne à l'homme. Mais tu vois le nom dans le but, quand tu appelles ton enfant Adam. Voilà comment elle est là. Tu comprends toi. Quand je connais l'entente de vos chants là, elle dit l'esprit est là. C'est pas pour comprendre, c'est pas pour la musique. Parmi vos chants là, il y a peu de détails homosexuels. Elle est gay parmi les chants. La femme n'a pas femme. Ou se sont mariés pour faire décoration, mais couche avec les chants. Mais il y a plein de pasteurs, quand ils voient, ils sont les pédés, les homosexuels. Ils n'ont pas une femme, les femmes. Ou le premier enfant et le dernier enfant, ils sont nommés 30 ans. Il y a plein d'enfants, un enfant. Des homosexuels. Donc il y a des gens comme ça. On est dans la même église. On est même père, même mère. Parce qu'ils ont passé le même jour. Mais ils ne t'aiment pas. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, n'oubliez pas. Sorcier reste sorcier jusqu'à la fin de sa vie. Ton ennemi qui vient te réconcilier, c'est sur les lèvres, c'est pas dans le cœur. Tu le sérieux. Tu bois de l'os. Il te manque alors, tu prends 4 éléments, tu jettes. Tu as compris? Ne prends jamais le cadeau de sorcier. Le monsieur t'attaque en rêve. Physiquement, il est contre toi. Tu as pris tout ce qu'il t'a fait. Et puis, il te dit non, là, c'est réconcilié, c'est ton cadeau. Depuis l'ennemi, tu n'as jamais fait du bien. Le chrétien, changez de mentalité. C'est vous qui faites que vous n'évoluez pas. Aujourd'hui là, je priais. J'étais à la maison. À un moment, j'ai dit, bon, je m'étonne un peu. Seigneur, je me suis touché à même le soleil, Seigneur. Mais je donne quoi à ton peuple? Le monde a dit, je donne quoi à tes enfants? Là, tu n'es pas dans le monde. Et ici, si. Donc, je donne quoi à ton peuple aujourd'hui? C'est même mal. Divin a dit, leur guérison, leur délivrance, leur bénédiction sont à la pointe de leurs épées. Les frères du même sang, même famille, même village, même église, dans le même service, veulent tuer les autres. Parce qu'ils ont commencé à baisser la garde. Ils ont commencé à baisser la garde. Ils ont commencé à dire, comme ils prient, ce qui a changé. Hé, hé, celui qui a donné Jésus fait quoi? Lui qui a donné Jésus, les gars chrétiens, on est pareil. Apôtre, pas de n'importe quel, c'est lui qui gardait l'argent de Jésus. Pas de ton argent, les gars qui étaient là-bas. Parmi les gens que Jésus voyait, qui s'appelle Judas, le petit. Voilà mon nom, Focal. Qu'on envoie Tim, le petit Focal. Offrant Tim, le petit Focal. Il allait vendre Jésus pour 30 pièces d'or. Il allait vendre Jésus, lui-même son propre père dans la foi. Les gars, ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Quelqu'un va voir. Ouvrons nos yeux. Le monde dans lequel nous sommes. On se voit comme ça, mais tout le monde n'aime pas là. Il y a des gens qui sont en train de manger à eux. Mais ils ont l'air pour les envoyer ta chaise. Ils veulent te voir tomber. Ils veulent te voir en bas. Quand tu vois des chalons. Mais si quelqu'un est ta femme, il va t'appeler ça. Alléluia. Ouvrons nos yeux. On a tout laissé les gens. Même il y a des pasteurs, il y a des chrétiens. Si au début, ils avaient compris ce genre de message, la vie s'arrête devant. Ils ont ouvert les portes de la vie à tout le monde. Leur famille, ils ont ouvert la famille à tout le monde. Un homme d'être prudent. La prudence, ça, c'est une marque de sagesse. C'est pas parce qu'on a la même vie, mais dans la même église, on a fait confiance 100%. Je n'ai pas confiance 100%. Le Seigneur dit, celui qui se confie à l'homme, il sera perdu. Il dit malheur à celui qui se confie à l'homme. Même ta femme, pour te confier petit, pas 100%. Ton cœur, faut vérifier. Il y a les femmes voleuses. Dans la même maison, elle t'a dépassé 4 millions. Tu veux aller là, 2 millions 5. Mais bien, 2 millions 5 où? Non, on le voit, ma maman m'a appelé là. C'est pour toi. Au fait, qu'est-ce qu'on veut? Quand tu envoies, j'envoie, c'est ici. Mais j'ai, moi, tu as pour toi aussi. À terre, quand il y a un mouvement, tu n'as pas déjà pour toi, tu as pour toi. Le jour de funérailles, tu as ta soeur qui va donner 1000 francs. Confie, il y a 1000 francs pour l'homme de Dieu. Il y a aux gens avec 10 000 pour l'homme de Dieu. Tu vas prendre aller manger avec tes enfants, avec ta famille. Hé, t'en vas enterrer, qu'on va t'enterrer. Ton mari va pas dire, il est parti avec toi. Hé, ça veut dire qu'il ne t'aime pas à 100%. Tu vas te manger et chanter. L'homme aime, mais son amour est limité. Mais pour Jésus, il est illimité. Quelqu'un m'a compris? Amen, amen. Les fils d'Israël, que tu es le fils de Jacob. Vous pensez que ceux qui sont contre nous là, ils ne sont pas spirituels aussi. En vrai, souvent même lui-même qui attaque ta vie,
il prie aussi. C'est parce qu'il connaît les Seigneurs qui t'attaquent. Selon le Seigneur, on ne peut rien contre un enfant de Dieu. Ils sont parmi nous, ils prient. Même tu les vois m'entendre prêcher. Tu as pensé que c'est des chrétiens. Mais ils sont pour les finir. Vous avez vu le monsieur là. Le monsieur qui a dit qu'il est Jésus là. Moi, un sur ta vie, deux, plus deux sur ta vie là. Vous rappelez le nom? J'ai entendu qu'ils l'ont mis en prison. Et quand j'ai pris le nom, il n'a pas le droit de le mettre en prison. Si quand on est Dieu, ça a dû laisser des femmes. Si moi je suis Dieu, ça a dû laisser des femmes. Donc ce sont les pasteurs jaloux qui sont les côtés pleins qu'on les met en prison. C'est sur quelle loi vous appuyez pour mettre le méchant en prison. Il dit qu'il est Dieu. Il dit qu'il est Jésus. Laissez-le pas faire son théâtre. Ok, c'est bon, on l'a pas vu sur Facebook. Mais il y a des gens qui sont pires que lui-même. Le gouvernement la protège. Alléluia. Lui qui a dit qu'il est moins de moyens là. Il a vu un appel d'autres mots sur Facebook. Les gens vous ont maudit la COVID. Que vous n'avez pas la dîme. Vous êtes maudit. Vous n'avez pas mis en prison. Quelqu'un qui maudit tous ses fidèles en plein direct. À cause des dîmes. Vous savez qui travaille pour vous. Alléluia. Dieu nous voit tous ces. On en a payé. Moi, moi, moi. On va aller encore à Dieu. Je vous, ce qu'il veut que vous compreniez, le même qui est à côté de toi peut être celui que Satan utilise pour te décourager. Tu as compris? Ne dis pas que mon ami, c'est forcément quelqu'un qui n'est pas chrétien. Ou bien lui qui est au vrai. Tu es au vrai même l'esprit que mon ami ici. Presque dans tous les vrais, il y a l'église. Presque dans tous les vrais, actuellement, il y a l'église. Au moins, c'est lui qui fait la Bible. Et les villageois ne tuent pas plus que mon ami ici. Donc ne pense pas que les sorciers sont sur mon village. Ah, Bobo ici, Bobo. Même ici, un an. Touche la volée, c'est toi. Touche la volée, c'est toi. Alléluia. Donc à la pointe de ton épée, c'est là que tu vas avoir ta délivrance. Ne baisse pas ton épée. Lève ton épée. Alléluia. Les Amalekites, c'est comme Jean 10-10. Le voleur ne fait que pour voler, détruire, dérober et puis tuer. Mais Jésus lui a donné la vie. Les Amalekites sont le contraire des enfants de Dieu. Ils sont comme des démons, ils sont comme des sorciers. Les mystiques, les démons parmi nous. On a le même père. Souvent, quand tu vois les musulmans prier, dis quoi? Allah Ibrahim, elle dit Dieu d'Abraham. Mais à terre, on vient mercredi. Tout à l'heure, il y a une mosquée à côté, qui est le plus bien. En plus, on dit non, c'est le même Dieu, on n'a pas le même Dieu ici. Ne tombez pas quelqu'un. Musulman et chrétien, c'est pas la même chose. On n'a pas le même Dieu. Il dit qu'on est bosmani. On est grand malade. Ça veut dire qu'il prie, nous, on prie pas. Arrivons au ciel, Dieu m'a montré qui prie. Amen, amen. N'est-ce pas parce que tu vois quelqu'un, il est gentil pour ouvrir ton cœur. Gentil là, il n'y a pas ça dans le fruit de l'esprit. Galatiens verset 2. Il n'y a pas gentillesse là. Moi, je ne suis pas gentil. Je fais une fois pour être bon, mais je ne peux pas être gentil. Je peux manifester la liberté. À chaque fois, mais gentil. Quand tu es gentil, ça veut dire que tu vois les choses pour fermer tes yeux. Gentillesse, ça tue. C'est dans gentillesse, il y a des femmes qui ont perdu leur foyer. C'est la gentillesse, mais les gens qui n'ont pas travaillé. Si le Seigneur t'a révélé des choses, prends ça au sérieux. Mais c'est moi qui ai mis dans l'air. Encourage-moi si je vais te tuer. Tu peux voir le rêve de te poursuivre. Ou je vais te coucher à toi. Attends mon kiki. Faut moi ça en l'air. J'aime tout. Ma tête, tu m'appelles à le passé. Tiens, mon père, c'est moi. Tu vas m'appeler tous les jours. Ton papa, comme tu dis, non, moi je vais devenir chrétien. Ton papa, il s'assoit à l'église. Ah, c'est comme ça, il est. Viens, tu ne peux pas coucher là. Non, pasteur, il y a lui qui me caressait. Il y a lui qui m'envoie vos camarades. Alors, pasteur, tu m'as fait l'amour comme un fou. Guéris-moi. Elle dit lui que tu m'as amené au bout de moi. Maintenant, tout mon corps me fait mal. Guéris-moi. Elle dit guéris-moi. Elle dit guéris-moi. Il faut renoncer. Est-ce que tu as raison? Sors. C'est pas moi. Tu as vu tes maris là. Je lui ai dit nous, tu me vois dans l'air. Faut moi mon kiki. Ou tu prends plutôt, tu dis, allez, tu vois la prison, tu prends plutôt, tu enlèves. Toute personne qui me voit dans l'air, tu vas coucher à lui, pour me tuer. Tu me vois dans l'air, tu dois manger. Faut que je fais à manger, pour me piquer le gars plutôt. T'as envie, non? C'est ce que les gens prennent pour blaguer. Non, j'ai vu ma maman dans l'air. Et quand c'est ma maman, elle voit la tuyau. Hé, c'est pas physique, c'est rêve. Hé, t'as envie, non? T'as envie, non? Tu fais que tu gardes le pilote, tu peux la vie dans l'air. Arrête, pilote.
Maintenant, on va voir qui est encore. Maman, les gens peuvent t'afficher pour venir à l'air, tu dois tout suivre. Eh, les gens sont méchants. Ma fille, il faut bien prier, c'est la sorcière. Si tu as essayé de prendre ma fille, tu peux aller à l'air. Au fait, elle avait dit que moi je suis marié. Qu'elle a demandé si c'est son mari n'est pas couché. Elle m'appelle pour que je passe à coucher à moi pour me fou. C'est le signe qu'elle demande à Dieu. Dis, c'est mon mari. Il dit, je m'appelle pour aller m'accorder. Elle dit, moi-même, elle dit, il dit, ok. Lui que tu as vu dans la main, foutre le mariage. Moi, je suis amoureux. Et c'est pas la reine de quelqu'un, c'est la reine de Dieu. Et moi, tout ça, pour tout essayer des autres, nous connaissons pas le sang de la vie au nom de Dieu. C'est moi qui l'ai appelé Valentin. J'aime bien, c'est le maple. Ma fille, il ne faut pas garder, il ne faut pas baisser ta carte. Même si tu vois ton mari dans l'air, il va coucher avec toi. Pour le chiffrer. Il a fini de faire, il est répondu à l'autre. Ok. Le truc n'a pas terminé, mais il y a 5 ans, il y a 5 ans de coucher là. Il se cherche, il faut pas t'aimer, c'est la reine qui a frappe ton mari bien. Il faut le mettre partout. Matin, c'est dit, il est blessé, il est très soigné. Je ne t'ai pas encore fait le il faut partir. Il y a des gens qui ont marié des gens qui sont sorciers. Il y a des femmes qui sont sorcières et des maris sorciers. Pas de problème. Parce que le même mari va lancer. Mais toi, tu es chrétien. Depuis que tu es avec le monsieur, avant que tu vas marcher avec le monsieur, quand tu fais rêve, on ne couche pas avec toi. Mais depuis que tu marches avec lui, tous les jours, on couche avec toi. Il faut regarder qui est couché avec toi. Tiens, lui. Pour marier ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je renonce à tout mari et profite. Le Seigneur dit, si ma femme est claire, qu'elle fait toi. Avant vous les femmes, non. Femme ça. Femme ça. Écoute bien. Il n'y a pas de prophétie dans la vie. Vous comprenez, non? Un garçon qui te dit, Dieu dit, tu es ma femme. Oui, Dieu même n'a qu'à te mettre pour te payer. Comme Dieu t'a parlé, j'ai oreille. Moi aussi, j'ai vision. Quand il doit y faire, Dieu n'a qu'à venir me parler aussi. Pas courage, c'est faux. Vous savez, vous blaguez les gens. Au-delà, elle est la foyer. Moi-même, je ne suis pas folle de toi. Parce que l'homme dit que c'est ma fille, mon mari, non. C'est moi, je suis marié à toi. Comment est-ce que tu as ta bouche là? Je ne suis pas. Moi-même, je ne suis pas folle de tes pieds X. Et toi, ta femme qui est X. C'est parce que toi, je ne suis pas folle de toi. Tu es ma femme. Moi, je ne suis pas folle de ta maison. C'est où il y a tous les jours. C'est mieux en élevant le nom de pasteur là. Comme pasteur, il faut laisser les relations de madame là. Comme non, c'est son petit qui est Jacques Lolo. Elle a vu la fille, elle est jolie. Comme elle a vu là une 4-4. Là, Jacques Lolo, le Seigneur dit enfin, ma fille, j'ai dit que c'est ton mari. Toute église qu'on a, au ciel, il n'y a pas un qui fait travailler au paradis. Amen. Toi, ta femme, mariée, on va divorcer. Tu n'es pas marié, tu n'es pas le même. Tu vas mourir. Non, pasteur, ne divorce pas. Hé, je vais te dire aujourd'hui. Le Seigneur dit, on ne doit rien à quelqu'un à part de nous aimer les uns les autres. Tu as envie? J'ai fait quelque chose. Oui, c'est une erreur. Ça peut coûter ma vie. Jugement dernier que mon mari m'a fait. C'est mieux que je me répands ici. Parce que dans la mort, il n'y a pas de réponse. Tu as compris? Appelle la femme. Venez ici. C'est pour dire qu'il y a des choses à discerner. Le manque de connaissance fait payer les gens. Aux écarts verset 6. Tu n'as pas la connaissance, tu ne connais pas les choses. Les gens vont te blaguer cadeau. Faut dire, où je suis là, je suis déjà. Faut dire, où je suis là, mon esprit est déjà. Il a dit à mon nom, il a dit pour mon nom, il a dit par mon nom, mais à la canne, à moi aussi, même les autres, sorcier, piton, a fini. Vous dites a fini. Donc, il a fait à la canne. Qui comprend ce qu'il dit? Qui a compris? Qui n'a pas compris? Faites un homme là. Ils sont beaucoup. Ok, j'ai dit, j'ai mangé, banane blessée, manon blessée, ignames sont blessés. Noir, noir comme ça, mon cœur n'est pas devenu noir. À l'heure comme ça, toi, ma mère, t'as jamais blagué. Toi, est-ce que t'as jamais blagué? Ça marche pas. Dis le fils à la vous avez vécu.
Alléluia. Amen. Donc les fils d'Anak, on l'appelle l'Amalekite, les fils d'Amalek, ils vivaient le pillage dans le désert. Voilà le travail qu'ils faisaient. Les Amalekites vivaient le pillage dans le désert. Et l'incursion à Canaan, c'était des voleurs. Ils peuvent tomber sur un village pour lui piller chez lui. Les autres ont voyagé, volent tout ce qu'il y a à eux. Tu as compris, non? Ça vous dit que on est là. Il y a des choses que tu n'as jamais vues. Tu ne connais pas. Tu as vu les passistes dans la rue. Il a vu ton étoile. Il a attrapé ton étoile. Il peut t'aider ton étoile. Tu ne l'as jamais vu. Il ne connaît même pas ton nom. Il a vu pour la bénédiction qui est sur toi. Il peut venir s'attaquer à toi. Donc ne pense pas que c'est ce que tu connais seulement. Tu as compris? Ne baisse pas la carte. Les Amalekites vivaient des pillages et des incursions à Canaan. Tu peux le faire en 1 Chroniques 1, verset 36. 1 Chroniques chapitre 1, verset 36. Je vous donne cet exemple pour que vous sachiez que les Amalekites sont un peu comme nous synonymes de nos ennemis. C'est les gens de là où il y a eux, mais ils ne sont pas prêts pour nous. Leur but c'est de nous tuer. 1 Chroniques chapitre 1, verset 36. Amen. Je peux lire pour vous. Fils d'Eliphaz, Théman, Omar, Zéphir, Daïta, Kenaz, Timna et Amalek. Tu as compris? Quand tu vas partir au début, tu vas dire, tu sauras qui ils étaient. C'est des pilleurs. Juge chapitre 6, verset 3. Juge 6, verset 3. Je ne peux jamais laisser. Mon âme. Le diable va prendre mon âme comme ça facilement. C'est pas normal. Ça passe bien là-bas. Il y a des difficultés ici. Quelqu'un veut juge? Il faut lire. Juge chapitre 6, verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et ils marchaient contre lui. Amen. Amen. Juge chapitre 6, verset 3. Quand Israël avait semé, t'as là le mot semé dans les bras. Ils savent travailler. Ce qu'ils vont prendre pour manger là. Tout le temps, il y a des efforts qui vont te donner à manger. Les Amalek qui passent, ils prennent. Donc parmi les Amalekites, dans nos familles, les Amalekites, ils vont te laisser déjà commencer. Mais où tu dois manger là? C'est des voleurs. Quand Israël avait semé Madian, monté avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Alléluia. C'est des voleurs, des escrocs, des pilleurs. Ils font rien de bon. Ils vont jamais désirer leur bonheur. Chrétien, chrétien, ouvrons nos yeux spirituels. Mais dans cette histoire de Exode 17, verset 8 à 15, on a aussi quelqu'un qui s'appelle Josué. Deuxièmement, il va vous expliquer Josué. Josué, c'est qui? Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'éternel sauve. Quand tu entends Josué, ça veut dire l'éternel sauve. L'éternel est ma délivrance. Alléluia. L'éternel sauve, c'est ma délivrance. Donc quand tu. Le mot Josué, même, avec ta foi délivrée, quand tu as quelqu'un qui est à l'aise. Quand tu appelles ton enfant Josué, c'est comme tu amènes Dieu pour te délivrer. Tu as compris? Donc Dieu va faire quoi? Moïse, qui est spirituel, va dire à Josué, va attaquer les Amalekites. En toi, il y a l'esprit de Josué. Mais tu vas comprendre comment est l'esprit de Josué. Et quand tu sais comment est l'esprit de Josué, tu vas le manifester dans le combat spirituel. Tes ennemis vont fuir. Alléluia. Ne respecte son propre ta bénédiction. L'épée. Le titre du message à la pointe de ton épée. L'épée, c'est quoi ici? Éphésiens 6, verset 17. Éphésiens 6, verset 17. Éphésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, l'épée de l'esprit, l'épée, c'est la parole de Dieu. Où on est en train de venir? Un chrétien n'a pas besoin de prendre marcher contre les sorciers. La parole de Dieu, c'est votre épée. Le Seigneur est à la pointe de ton épée. Mais comment on peut pointer la parole de Dieu? Quelqu'un voit comment on peut faire? C'est comment?
Je vais te dire, ne demande pas. Ici, l'épée, c'est aussi notre bouche. Ta bouche n'a pas fermé. Quand un sorcier te dit que tu n'as pas réussi, faut ouvrir pour pas réussir. Le vieux, je vais réussir. Ça fait que tu m'as donné mon moment, je vais réussir. J'annule ta parole. Mais regarde, il y a beaucoup de personnes qui étaient ignorantes. D'ailleurs, quand tu m'as dit que tu as été là, faut plus accepter ça. Amen. Faut plus accepter ça. Amen. Quand Goliath parlait, David parlait. David était petit comme Goliath. Il ne va pas David fatigué. Mais David parlait. Tout ce que David a dit, c'est que c'est la vie. Écoute la relation, tu peux écrire. L'homme devient ce qu'il dit. L'homme devient ce qu'il écoute. L'homme devient ce qu'il pense. L'homme devient ce qu'il voit. N'oublie les quatre choses. Ce que tu penses va agir sur la vie. Ce que tu dis va agir sur la vie. Ce que tu écoutes va agir sur la vie. Ce que tu vois va agir sur la vie. C'est quoi dans ta maison? Un jour, tu peux prendre une photo. Tu colles quoi? La plupart de tous ceux qui aiment les morts, au-delà de son année. Tous les gens qui voulaient sortir à la télévision, ils chantent. Ils sont des acteurs, mais ce sont des stars, des vedettes ou des ministres. Ce que tu penses, c'est ce que tu vas devenir. Depuis que tu es né, dans l'année, il prend le micro, il est rempli un stade, il a chanté. Tu n'as jamais pensé ça. Mais c'est quand on prend le micro, il dit et là, le Seigneur, et là, le Seigneur. Mais celle qui a vu, quand elle est habitée, moi, elle prend le micro, il est rempli ça. Elle prend le micro. Louons le Seigneur, il est ma vie. Louons le Seigneur. Elle chante avec amour, avec audace et confiance. Tu chantes, tu trembles en vrai, sans jeter bille dans mon team. Alléluia. Ésaïe 49, verset 2. Allez, j'aime la diable, je vais bien après. Comment il faut pas avoir l'esprit de l'état dans la relation. Ésaïe 49, verset 2. Il a rendu ma bouche semblable à un cœur tranchant. Qu'est-ce qu'un tranchant? Un cœur tranchant, c'est quoi? Il m'a couvert à l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Dieu nous a transformés. Mais on ne sait pas. À part de lui dire, il ne faut laisser quelqu'un aider ta vie. Tu peux dire des choses avant Seigneur. Tu n'es pas prophète. Mais Seigneur, je vous donne une nouvelle bouche. Une nouvelle langue, Jésus. C'est pas le prophète Ariel qui a dit Jésus lui-même. Il dit moi, Jésus, vous tous qui croyez en moi, je vous donne une nouvelle langue, une nouvelle bouche. Même votre adversaire ne pourra pas résister. Yes. T'as compris? Amen, amen. Il dit personne ne pourra résister. Ça veut dire quoi? Maintenant, parle, prophétise, déclare les paroles, prie, dis des choses grandes. Quand tu vas mal, je déclare que je te fais mal. À la pointe de ton épée. Il dit, faut parler. T'as compris? Je peux le dire. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Dis, je commence la base des Isaïe 49. Commence la base des Isaïe 49. Verset 2. Verset 2. Ma langue n'est plus ma langue. Ma langue n'est plus ma langue. Mais l'épée de l'esprit. Ma bouche n'est plus ma bouche. Mais c'est le glaive tranchant de Dieu. Ce terme de Dieu le diable. Mon Jésus. Libère les paroles. Ne ferme plus ta bouche. Tu as compris? Mais le jour même que tu vois ton allée, pour t'arrêter dans la maison, tu as parlé. Faut libérer ta bouche. Faut parler. Daniel a raconté, je te cache chez le milliardaire. Un jour, je voulais dire à ma maman, bon, je disais pas maman, je veux qu'elle a construit une maison, je veux une maison. Donc moi, je dis, mon Seigneur, ma mère, elle a construit une maison. Mais moi, je bâtis une ville. Et donc, elle ouvre sa chambre et lui dit, dis-moi, tu te comprends pas à moi. Pas comme ça. Elle a construit une maison. Jolie. Moi, son fils, je suis fier. Donc, quand monsieur m'a révélé que ce qu'on dit, on devient, et ma mère a construit une maison. Père David a mis Salomon au monde. David a été aimé, mais David est venu au-dessus même de Salomon dans la gloire et la richesse. Si ma mère a bâti cette maison, moi j'ai bâti une ville à ta gloire. Elle vient de moi, je suis audacieux. Et je me compare à elle. Il y a audacieux, c'est bon. Attends. Soyez audacieux. Amen. On est dedans. Laissez le monde. Ma fille, t'as oublié. Quand tu déclares les grands-chefs, quand tu peux te dissiper, je déclare au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, j'ai du travail au nom de Jésus. Je sais pas où mon travail se trouve, mais je commande que tous ceux qui ont reçu mes demandes d'emploi fouillent à nouveau dans les dossiers. Là où il y a mon nom qui est arrivé, qui m'appelle au nom de Jésus.
que ce monsieur ne dorme pas, qu'il n'ait pas de sommeil, que son corps soit entièrement fatigué, qu'il n'ait pas de repos, tant qu'il n'a pas pu travailler. Ben, je déclare un terrain d'appel pour le travail au nom de Jésus. Et ça, Dieu veut qu'on soit. Je sais ce que je veux qu'on soit. Mais ce genre de prière, tu ne fais pas. Seigneur, s'il te plaît, où est-ce que tu travailles? Il dit, si tu es juste, c'est là que tu exauces. Le ténèbre exauce la prière de ceux qui sont justes. Tu as compris? Quand tu es juste, on ne peut pas déclarer les choses. Attends, on déclare. Quand tu déclares, ça ne dépend pas de ta justice. Amen. Tu déclares par la foi. La déclaration est un acte de foi. Quand tu dis, je commande au nom de Jésus, au soleil de frapper ceux qui s'attaquent à ma richesse. Je commande à la lune de dévorer mes ennemis. J'appelle les étoiles de briser la tête de tous ceux qui s'attaquent à moi. Au nom de Jésus, Amen. Je commande au vent de la mer d'engloutir tous ceux qui prennent mon argent que Dieu m'a. Yes. Tu parles à la mer. Amen, amen. La mer a oublié. Il dit, mer, silence, tais-toi. Il n'a pas dit, Seigneur, s'il te plaît, vous faites que la mer se calme. C'est le Seigneur de Jésus qui est là. L'épée, vous pointez ça. On a baissé nos épées comme ça. Les chrétiens sont comme ça. Et ils sont là, Seigneur, de nous m'appeler. Nous ne sommes pas des prieurs. Nous sommes des combats pour eux. Mais nous, on ne prie pas. On prophétise. On déclare les choses. Et c'est ce qu'on dit qui arrive au pays. Est-ce qu'on dit qu'il y a eu au monde? Est-ce qu'on dit qu'il y a eu dans la terre? Je vous ai dit qu'ils ont menti sur le Covid. Mais après la Covid, là, les crises vont planter dans tous les pays. Chaque pays aura sa crise. Personne ne va être là. Ça n'a pas commencé. C'est vrai que l'ombre de ces choses, mais il tremble déjà. Vous n'avez rien encore vu. Il y a des gens qui vont gagner une voiture. Mais il n'y a pas ici pour mettre dedans. Vous marchez par le travail. Allez, votre travail, quand il n'est pas encore venu. Il n'y a pas plus. Tu es assis devant la porte. Et ils vont gratter ici qu'il n'y a pas pour eux. Nous devons pousser la voiture de la Djamé à Bobo. Vous regardez bien. Nom de Jésus. Amen. Le sorcier comme ça. Est-ce qu'on peut dire Amen pour ça? Amen. Dis, ma bouche est éclair tranchant. Ma bouche est éclair tranchant. L'épée, c'est notre bouche. Amen. L'épée, quand Dieu parle, l'épée, c'est ma bouche. Pour la détruire, mais où est-ce que je suis? Rien qu'on t'a l'air de bouche. Ne joue plus avec ta main. C'est le diable qui a deux. Nous, on a une seule. Tu as compris? Pour nous, là, ça tue. Pour lui, là, c'est deux. Ça ne peut rien faire. Quand il vient devant l'ennemi, l'ennemi rentre plus. C'est ce qu'on appelle quoi? Il a deux langues. C'est un menteur. Matin, il dit que c'est le plus président. Et c'est le plus candidat. Le soir, il dit que c'est le candidat. Ça, c'est sans que. Ça, c'est pas sans quoi le voir. Mon frère, tu te rappelles, non? À 16 ans, pour vous montrer comment le diable il est. Le diable est un homme. Tu le vois, c'est ton frère, mais il est le diable. Yeah. Actuellement, il y a des gens qui sont spirituels. Quand tu es président et quelqu'un sur la télévision, il voit. Moi, quand il est à la télévision, je ne vois pas veste. Je peux tuer la salle, il voit. Il y a des gens, quand ils le voient, quand ils prêchent, ils voient poisson. Les murs se lâchent. Et puis les gens disent Amen. Il y a des gens qui voient ses voix. Avec aussi, je vois des fleurs, des belles chaussures. Ça dépend du Seigneur. Mais si vous me mettez la rapporter tout ce que je vois sur vos dirigeants, vos stars, vos vedettes, ils me disent qu'ils cherchent le buzz. Je vous laisse pour vous manger. Ils vont presser comme ça. Ils vont boire vos sang, on buit ça. C'est parce que le monsieur a boit de l'eau. Quand vous vivez, ben, il faut. Je suis en plein l'eau. Ma carrière. Alléluia. Amen. Dis. L'épée est là pour frapper comme un bâton. Juste à côté, Isaïe 11, verset 15. Quand tu as l'épée, tu frappes comme un bâton. Tu frappes tes ennemis. Ne joue plus avec ta bouche, s'il te plaît. Si tu es en ligne, tu es dans ce lieu, ne joue plus avec ta bouche. Ah, refuse ta situation. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Et il frappera la terre de sa parole. T'entends? Il frappera la terre de sa parole. Comme un verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Tu as vu? Du souffle de ses lèvres, tu vas mourir le méchant. Ah, tu es là. Tu es chrétien, tes ennemis vivent encore, tes sorciers vivent encore. Et si j'avais raconté ce qu'on a fini à eux, là, c'est beaucoup. Hein. Moi, là, c'est. Oui! Il y en a un dans le quartier, là. Il y en a un à Bigam. Il y en a un au village. Il y en a un au Côte d'Ivoire. Il y en a un en Afrique. C'est qui son ennemi est beau aussi? Quel matin son ennemi est beau? Mais à vous, le Seigneur. Voilà la parole. Ésaïe chapitre 11, verset combien? 4. T'as compris? T'as compris? Il dit ta bouche, c'est comme moi. Un bâton pour frapper la terre. T'as compris, non?
Mais n'a pas vu. On dirait qu'il y a quelqu'un, c'est la première fois que moi, c'est resté là. C'est qui, c'est la première fois que moi, ça. Oh lolo. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole. Frappera la terre de sa parole. La terre, c'est l'homme. Tu as compris? La terre, c'est l'homme. Tant que tu entends la terre, c'est l'homme. L'homme que tu vois là est composé 70% d'eau et 30% de muscles. La terre, le globe terrestre que tu vois là, quand tu montes en avion et que tu es bien étendu, c'est bleu. On ne voit pas vert. Les arbres disparaissent, on ne voit pas. C'est l'eau, on voit. L'eau prend 70%. Et la terre, le sol que tu vois là, c'est 30%. Tu as compris? C'est 30%. Tu as compris? Donc, je vous dis que nous sommes l'image de Dieu. Mais cette image-là a été symbolisée par la terre. L'esprit, on ne le voit pas. Donc, appuie-toi sur verset 4. Quand tu pries, même tu ne connais pas le nom des gens, mais tu peux dire, Seigneur, je ne sais pas, parmi les gens, les hommes, les femmes, tu n'as pas Isaïe chapitre 11, verset 4. Je commande par l'autorité de ta parole en moi de frapper maintenant comme un bâton, comme une chicotte, comme une épée. De frapper ces personnes-là qui ont été prises de terre, mais qui ont veulent à ma vie. Toute personne qui a été arrachée de la terre et qui est devenue homme comme moi. Mais s'il n'a pas été prise de la terre, pendant que je libère la parole qui fuit et qui s'en aille loin, mais toute personne qui a été prise de la terre, je commande qu'il soit frappé. Qu'il soit frappé comme une chicotte jusqu'à sa mort. Ceux qui s'attaquent à mon foyer, ceux qui s'attaquent à mon ministère, qu'il soit frappé maintenant sur la base d'Isaïe 11. Alléluia. Au pire de ces versets, il faut bien les garder. Frappez, libère la parole. Tu as compris? J'ai jamais vu Jésus, il s'arrêtait comme ça, et puis il commence à prier, à mettre les sons du sort, commence à frapper les gens pour lui. Non, il libère la parole. Libère la parole. Jésus a dit, nous donne le pouvoir. Quand tu lis le livre de Matthieu chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, même jusqu'au verset 10 aussi, il donne le pouvoir pour marcher sur le scorpion, la spirit, pour guérir, même pour ressusciter les morts. Mais ça m'a trop étonné. Mais on peut vérifier pourquoi? On peut vérifier? Ok, allons-y, Matthieu chapitre 10. Le jour du Seigneur, le Seigneur. Moi, on m'a jamais prêché ça. Matthieu chapitre 10. Verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Là, les gens se sont arrêtés. Mais le verset ne s'arrête pas là. Est-ce que ça s'arrête là? Allons-y précisément au verset. Verset 7. Jusqu'au verset 10. Après dit, allez prêcher et dites le règne des cieux est proche. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Virgule. Quel verbe l'a dit là? L'a dit quoi? Ça n'a aucun passé de prêcher ça. Ça me fait mal. C'est le jour qui a découvert ça. En tout cas, il a commencé à pleurer sur les cadavres. Ça marche. Chasser des morts, les gens disent ouais, ouais. Si tu crois et tu pries, le démon sort. À partir d'aujourd'hui, appuie-toi sur le même verset 8 de Matthieu 10. Dis Seigneur, voici un frère qui vient de nous. Sa famille m'a appelé pour prier pour lui. Tu as dit, tu donnes le pouvoir de chasser les démons. Depuis dans mon ministère, il chasse les démons. Mais prier pour les malades guérissent. Mais voici aujourd'hui, un verset où tu as dit de ressusciter sur les morts. Et je suis face à un cadavre. Il te plaît, par le pouvoir de ton esprit saint. Tu verras. Maman, la pierre, on dirait qu'à nous tous. Je lui dis bon arrivé. Fais comment? T'es ça comment? Ok, donnez-lui un peu de manger. Et puis ça va. Tu vas le faire. Appuie-toi sur ça. Ce que Jésus a dit, faisons-le. Mais il croyait. Mais verset ça. Et il croit pas ça. Tu as compris? Il dit ressusciter les morts. Purifier les lépreux. Chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Voilà le secret. Tu veux que Dieu t'utilise dans tous les domaines. Des miracles. Ne prends pas l'argent dans les prix pour les gens. Ne prends pas l'argent dans les prix pour les gens. S'ils veulent te donner, ça va être d'abord à prier eux-mêmes. Même s'ils t'appellent, parce qu'ils veulent te donner 100 000, viens prier. On va partir. Mon pasteur, voilà, 100 000 francs, c'est ton transport. Ah, tiens, c'est tout, hein, transport, c'est 500. Bon, non, non, c'est tout, ok. Mais je ne t'ai pas demandé, non, il faut prendre. Bon, il m'a prié. C'est propre. Mais alors, pour donner 100 000 avant de partir, quand tu as parti pour tout, c'est ça qui fait que nos pasteurs prêchent bien. Dieu les utilise, mais on ne peut plus voir les grands miracles. C'est la même répétition. Les gens font fatiguer, ils tombent à terre. Et Dieu a dit, il m'a dit pas ça, on a trop vu les démons. Maintenant, on voit les morts s'élever. Alléluia! Amen.
Maintenant, on peut voir quelqu'un qui habite ici. Donc, il n'y a que pas à voir que tu libères la parole, ça fait qu'il ouvre ton appel. Amen. Et puis, quoi, il passe la vie par là, passe la vie par là. Bon, la terre. On t'appelle, on dit, ah, avant que mon roi mourir, la clé passe la vie par là. Et on regarde l'autre qui t'a dit, tu as commandé que les pères passent la terre, tu t'es venu. Et ça, on voit. Et on peut le faire. Donc, ton avenir, tout ce que tu veux, ça y est ici. À la pointe de ton épée. Et l'épée, c'est quoi? L'épée, c'est quoi? L'épée, c'est aussi des flèches. Notre lame, là, c'est une flèche. Psaume 64, verset 4. Psaume 64, verset 4. Notre lame est une flèche très, très puissante. Mais je pleure avec ta main. C'est pourquoi souvent, les dieux, qu'à un moment de ma vie, le Seigneur m'a dit de ne plus dire n'importe quoi. Si j'ai dit des choses, je suis obligé de les respecter. Luc, je t'ai dit, Luc. Psaume 64, verset 4. Il s'épuise la langue comme un de l'être, t'as vu? Il s'épuise la langue, la langue. Et ça veut dire qu'il lit, on prend pour épuiser la langue. C'est pas pour épuiser, c'est pas aider. Mais Dieu comprend notre langue à épuiser, qu'on peut épuiser. Il lance comme des traits leurs paroles amères. Même les sorciers, ils se faisaient bouche sur mon tuyau. Voilà pour eux qui est là. T'as vu, non? Dans le camp des sorcières, eux se faisaient leur bouche pour nous attaquer. Nous les chrétiens, on va prier pour ça. Mon Seigneur, je commande devant le test spirituel dans la place que tous les sorciers qui se réunissent le dernier dans mon village. Que la tête tombe sur les pieds et que tout tombe là, tu meurs au nom de Jésus. Et tu mets ta main sur la tête, tu pries à minuit. Tu me suis capé du matin. Maintenant, tu dis, telle personne est mort, lui est mort, lui est mort. Bon. On va jouer. Mais vous ne faites plus ça. Vous libérez les paroles. T'as compris? Amen. C'est compris? Amen. Les gars ne nous laissent pas en paix. Si tu ne savais pas, eux, ils font ça. Tu as compris? Tu vois souvent ta partie. Elle vient prophétiser sur toi. Toi, tu vas partir jusqu'à. Tu as une dormir ici. Il y a une fille amie, il la connaît. Elle est bien ici. Elle vient m'expliquer, pasteur. Je ne comprends pas. Depuis, il va à l'école. Il n'a pas réussi à faire ses ventes. Même si elle continue jusqu'à 500 000, tout l'argent, ça finit. Il veut ouvrir les gains chez mon papa. Que la parole n'a pas dit, pas jusqu'à rien de terminer dans mes oreilles. Que ma soeur, vraiment, il a prié, mes paroles, ça n'arrive pas. Comment ça, il nous montrait les versets de puissance. Il dit, aiguise ta langue, ma fille. Aiguise ta langue. C'est bouche à la campagne. Tes oreilles t'ont libéré, ses oreilles n'ont pas entendu. Va devant elle. Prends ton courage, fais-toi dans ça. Tu ne manques pas. Tout ce que je te fais, tu peux réagir. On appelle ça une importance. Parce que tu as fait fou, c'est quoi la distance? Elle dit oui. Elle est partie, c'est bien génie. Et quand tu finis ça, tu arrêtes de voir la tante. J'ai annulé ta parole que tu as dit sur ma vie. Moi, je vais partir. C'est pas ici qu'elle finit. Tu commandes toi, tu donnes chez moi, au nom de Jésus. Elle est partie, dis ça. Tu vas aller ma vie. Elle est vraiment bonne. Jolie fille, à bout du coup, fatiguée. Jolie que les conseils. Moi, je suis trop. Elle est vraiment bonne. Avant encore la prêtresse, ça ne dit pas une vie. Bonne journée. Deux Corinthiens chapitre 7, verset 13, verset 14 mois. Le Seigneur dit quoi? Si mon peuple se qui a été invoqué mon nom, puis cherche ma face sur lui, tu veux trouver sa mauvaise voie, je l'exaucerai. Je l'exaucerai, je l'ai béni. Désormais, je vais le bénir. Tu as vu? Donc, quand tu veux devenir puissant, là où tu as fait erreur, tu vas demander pardon. Mais si tu n'as pas la capacité de voir la personne, c'est mieux que tu viennes à l'église, tu confesses au nom de Dieu et tu demandes pardon à Dieu. Prépare-toi, c'est fini. Le Seigneur dit tu pardonnerai les péchés. Le Seigneur parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 4, verset 12. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît Hébreux 4, verset 12. Vous ne connaissez pas ça ici. Regardez-moi ici. Hébreux 4, verset 12. Il ne faut pas oublier ça. Parole de Dieu. Vous dites la parole de Dieu. Ça, c'est le verset de la parole de Dieu. Depuis, on était petit comme ça. Dans l'enfant. Mais c'est ça, on connaît par quel. Hébreux 4, verset 12. Mais lui, faut dire quoi? Faut dire quoi? Dis au début jusqu'à la fin. Putain. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. N'oublie pas ça. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante que l'épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Jointure de Moël. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Tout ce qui est dans ton cœur, la parole de Dieu voit.
Tu as vu lorsque tu nous mourrais, la parole de Dieu ne s'est pas. Là, il n'y a plus d'esprit. Il n'y a pas d'esprit, mais la parole peut laisser. C'est là la lame la plus dangereuse. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui t'appuie sur ça. Le Seigneur dit, c'est la parole la plus puissante, la plus dangereuse, la plus haine. En fait, on peut rien. Tout le monde laisse sur le cas ce qu'ils veulent. Mais ils ne peuvent pas utiliser la Bible parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Ça n'aura aucun effet. Non, toi, plus toi, Jésus. Je m'appuie sur tes versets. Car tu m'as dit ta parole est tranchante. En ce moment, pendant que je prêche, je sais qu'il y a des ennemis qui prient contre moi. Je sais qu'il y a un présent qui a mis ma photo dans la canarie. Je sais qu'il y a un imam qui prie contre moi. Je sais qu'il y a un voisin qui parle mal de moi. Mais au nom de Jésus, tu n'as pas de prétendre de ce pouvoir. Je m'appuie sur Esaïe chapitre 11, verset 4. Je déclare sur la base de Bénédicte, verset 17. Je proclame maintenant que la parole de Dieu qui sort de ma bouche soit une épée qui paralyse les deux pieds de mes ennemis et qui affirme mes ennemis. Au nom de Jésus, qui avait. Chacun a oublié, vous pouvez aller. Les gens prient, mais ils ne prient pas la parole. Quand ils se disent prier la parole, on s'appuie sur les versets. Tu cites le verset pour chacun. Chacun oublié. C'est bon. Quand vous venez à l'église, ayez Bible et puis carrière de Bible. Viens de façon d'être dirigeant. Même télévision, même télévision sera pour un autre. Ah, moi, il prend un autre. Je vois un chapitre de film que toi, tu ne considères pas. Mais moi, je vois une idée générale. Il veut qu'elle. Et puis, elle développe. Mais il coule dans le récit. Film que toi tu es bien, tu vois. Beaucoup de fois, ils font ça. Je te regarde, et puis tu souris. Donc tu vois, il prend mon cahier. Je dis, tu m'aimes. Bah, tu as fait la même chose, tu l'as fait. Les gens ont fait un message. Tu vois, lui qui a fait le film là, il est bête. C'est un livre, il a jeté un film. Tu as oublié. Les écritures, les livres, c'est ça, ils ont fait un film. Tu vois, lui, il a versé la Bible, la grande fête. Tu as été là, tu regardes sur moi. Hé, ma maison! C'est les choses qu'ils ont vues qu'ils ont rêvées. Même guerre de l'Ukraine, il a fait son film. Qu'a gagné ça? Il a fait ça. Et c'est. Le truc qui est au fond, il a dit, regardez. Non, toi, c'est moi, je ne crois pas. Et c'est vrai, je suis. Alléluia! Après, c'est un verset 16. Jésus est la parole de Dieu. Apocalypse 2, verset 16. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est une épée. Apocalypse chapitre 2, verset 16. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Tu as compris? Tu entends? À partir de là, il ne faut plus négliger ta bouche. C'est dans Apocalypse chapitre 2, verset 16. Dieu dit: répands-toi donc bientôt. Je reviendrai et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Amen. Tu as compris? Appuie-toi dessus. Apocalypse chapitre 2, verset 16. Éternel, tu as une épée dans ta bouche. En toi, je suis l'image et la ressemblance de Dieu. En Genèse 1, verset 26. Sur la base de ces deux grandes vérités bibliques, Éternel, je m'appuie et je déclare que l'épée de ma bouche descend maintenant et déchire le voile autour de mon étoile. Car partout aujourd'hui, mon étoile brille. Que tout mec s'il est comme toi soit coupé. Nom de Jésus. Je commande qu'il soit lèvre pour ceux qui mettent les mains contre mon étoile. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un dit des textes comme ça, il parle pas d'étoile, pas des lèvres. Toute personne qui indexe mon étoile, il parle mal de mon étoile, qui devient lèvre. Nom de Jésus, même si c'est un prophète. À partir d'aujourd'hui, je rends silencieux. Comme Zacharie était silencieux dans le temps. Parce qu'il n'a pas cru à la parole de Dieu. Tous ceux, Éternel, tu ne me parles et puis disent que c'est faux, qu'ils soient silencieux jusqu'à l'accomplissement. Au nom de Jésus, il va devenir bobo. Il ne faut pas faire attention à ta femme, mais si elle est devenue bobo, tu as rien, tu dis, tu es devenu aussi. Alléluia. Champion, voici un homme bobo. Alléluia. Quelqu'un a compris quelque chose? Apocalypse 19, verset 15 et 21. On ne parle pas du tout. Esaïe 1, verset 20. À la preuve de ton épée, c'est rester connecté à la foi que produit la parole de Dieu. Rester connecté. Comment on appelle ? À la pointe de ton épée. Ça veut dire rester connecté à la foi que produit la parole de Dieu. Chaque fois que tu lis un verset, et tu as confiance en ce verset, et tu t'appuies sur ce verset, c'est que tu pointes ton épée.
Tu as compris? Il ne faut plus jamais te décourager. Tout ce que tu as dit, même avant notre ère, avant Jésus, il n'y a pas une parole qui n'a pas été réalisée. Actuellement, on attend simplement l'avènement. Tu nous les signes sont là. Tu as compris? Il n'y a pas quelque chose que Dieu a dit qu'il n'a pas fait. Il y a même dit, viens pas tomber enceinte. Viens, je vais enceinte. Je tomber enceinte. Il n'y a pas quelque chose que Dieu dit qu'il ne fait pas. Ce n'est pas pour toi qu'il ne va pas faire. S'il te plaît, tu es chrétien, je te demande pardon. Mais que tu ne sais pas si tu ne pries plus. S'il te plaît, lève-toi. Pour aller vers ici. La puissance de la mort. Dégage l'épée de ta bouche. Paralyse les doigts du diable. Faut déverrouiller ton verrouage de ta vie. Toute personne t'a mis dans un cadenas. Comment que par le sang de l'agneau, que le cadenas éclate. Au nom de Jésus. Tu peux prier avec toi. Mets ta main sur ton cœur. Dis Père, je déclare explosé. Pour Canaï. Où ma photo a été mise. Où mon âme a été mise. Que ce canari explose. Par le sang de l'agneau. Et puis il prie chaque jour contre toi, à partir d'aujourd'hui, que chaque prière qui est contre toi retourne sur eux, leurs enfants, leurs petits-enfants, jusqu'à l'enlèvement, au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne dis pas des choses comme ça, et tu es étonné que les gens t'attaquent. C'est ça qui est la puissance. On dit puissance, et parce qu'il n'y a pas quelque chose ici. Tu vois lui l'onction vers toi, mais c'est une parole qui a changé lui l'onction. Tu l'envoies ça sur le marché, pourquoi il n'y a pas l'onction dedans? On ne voit pas l'onction. Mais c'est quelqu'un qui a quand même la libéré la parole. Il n'a rien versé dedans. La parole a transformé lui. Donc je déclare que tu vas transformer en gloire. De là où tu es, que tu changes ta vie en gloire. Que tu partes de gloire en gloire. Que tu as de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Avant, on ne te considérait pas. Avant, tu ne peux pas te lever pour entreprendre. À part que je dis, je déclare que tu es entrepreneur. Tu es entrepreneur. Que tu es entrepreneur. Tu es un boss. Tu emploies les gens. Tu payes les gens par moi. Au nom de Jésus. Tu ne travailleras plus pour quelqu'un. La terre travaillera pour toi. La terre travaillera pour toi. Tu es pas seul, mais on travaille pour toi. Tu es encore chez vous, tu es vieux. Mais que tu dis, tu es trop vieux, mais j'en peux. Que l'ange de Dieu qui a parlé au roi de vie. L'esprit de Dieu qui a touché le roi David et qui a rappelé David, oui, dans la famille de Jonathan, va chercher un de ses dans son sang et vous le bénir à cause de Jonathan. Je commande que l'esprit de chronique, l'esprit de souveraineté de Dieu, l'esprit de gloire de Dieu, visite ce monsieur, visite cette femme, visite le Dieu d'Abraham, maintenant même, et se souvient de toi, et te souvient de toi, et te bénit au nom de Jésus. Ne te rejette, un monsieur perd. Il est paralysé, il est mendiant. Il était à l'eau de bar. Mais Dieu est parti parler au roi David dans un songe. Il dit David, dis-lui, tu es rappelé de Jonathan, ton camarade. Dis-lui, demande dans sa parenté. S'il a un descendant qui est encore vivant. On demande, on dit, lui, il s'appelle Mephibosheth, mais il est paralysé, qu'il est mendiant, dans le quartier précaire. Il dit, prenez le conseil royal. Voici, du presque qui est là-bas. Mettez les servants de bois, les gardiens dedans. Amenez-le. Désormais, mange à ma table, à la table de moi. Je commande que cette parole de Dieu, que lui, le Seigneur, va aller chercher les pauvres dans le fumier, dans la poussière, et va les mettre à la table de moi. Que cette parole soit une réalité pour toi. Que ça ne soit plus une révélation. Vis sa parole. Mange à la table de moi. Dans le palais de roi. Travaille dans le palais de roi. Sois riche avec le roi. Sois parmi les rois au nom de Jésus. C'est qui transforme les gens. Vous pensez c'est quoi? Mais c'est la parole. Je ne sais pas bien. C'est la parole qui change les gens. Je fuis l'homme de Dieu, n'a jamais manifesté en Dieu. Mais ça ne te parle quand tu vois ta vie change. Je commande par l'autorité de l'épée de ma langue. Je m'appuie sur l'esprit de prophète qui est sur ma vie. Je m'appuie sur l'appel du Christ qui est sur ma vie. Je commande maintenant même. Là où se trouvent des milliards qui viennent de tes mains. Sois milliardaire au nom de Jésus. Sois milliardaire au nom de Jésus. Sois milliardaire au nom de Jésus. Jamais tu seras beau. Avant que tu mettes, tu ne seras jamais monté dans le beau. Même si tu avais 80 ans, je commande des milliards au nom de Jésus. Même si tu avais 20 ans, je commande des milliards au nom de Jésus. Alléluia. Dis mon dégât de foi. Dérange mes ennemis.
foi. Des clés de foi. Des roches, monsieur le Dieu. Même de ma mort. Même de ma mort. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Me réveille. Me réveille. Et me ressuscite. Pour la gloire de son nom. Et son nom. Nom de Jésus. Le nom de Jésus. Et là, on dit que tu es sorcière. Et les gens vont te critiquer. Dans ta famille, j'ai jamais quelqu'un qui a ressuscité. Mais tu es parmi les premiers de ta famille. Tu vas ressusciter. Même à ta famille, tu vas t'enterrer. Avant qu'on t'enterre, malgré le fondement, ils ont l'air de te tester. Tu frappes le secteur. Hey, c'est moi, mon frère. Je suis pas mort pour vrai. Mais tu sors, tu t'en dis à quoi? Pourquoi pleurer? Je te remercie au ciel. Yes. Tu le sens. Tu n'es pas de quelqu'un parmi nous. Seigneur, que ma vision ne soit plus charnelle. Église mon esprit, Jésus. Localise-moi dans ta gloire. Dieu de gloire. Identifie-moi dans ta gloire. Dieu sauveur. Identifie-moi dans le salut. Dieu qui triomphe. Identifie-moi dans le triomphe. Au nom de Jésus. Donne la main qui te rend des esprits. À la pointe de ton épée, c'est laisser mon épée. À la foi que produit la parole de Dieu. À la peau de ton épée, c'est aussi demeurer dans la voie de Dieu. Amen. T'as compris? Amen. Ne quitte jamais le Seigneur. Le chemin de Dieu ne peut jamais quitter. Peu importe la solution qu'on va te proposer. Même qu'il y a des camarades qui vont te pomper des péchés, s'il te plaît. Tant que ton épée sera pointée, demeure dans la voie de Dieu. Même souvent tu es fatigué, tu ne pries pas, tu dors, matin, résultat. Le Seigneur dit, écoute bien, pendant que lui, ses serviteurs, ses fidèles dorment la nuit, le Seigneur prépare la nourriture du matin à vous. Est-ce que tu comprends cette notion? Pendant que les serviteurs de Dieu dorment la nuit, pendant que lui, ses fidèles dorment la nuit, lui, Dieu prépare la nourriture de demain. Tu me comprends? Dis ça et fort. Ça et fort. La grâce de Dieu m'a localisé. Son amour m'a sauvé. Alléluia. Oh, le Dieu est trop jaloux. Le Dieu n'aime pas la vérité. Réveille ton esprit. Réveille ton cœur. Rêve à nouveau. Pense à nouveau. Crois pour un positif. Pense à des nouveaux terrains. Des temples que tu vas construire. Pense à tes villas. Pense à tes voitures. Pense à tes entreprises. Enlève la médiocrité de ta tête. Enlève tout goût, tout goût. Enlève à haut goût. Enlève pornographie. Dans ces temps-ci, il y a des gens qui promènent leurs pensées. Dis moi, Seigneur, mais quelle est ta pensée sur ton peuple? Mais ils sont assoupis, ils sont dans se limiter à leurs pensées charnelles. Ils n'ont plus de vision, ils ne pensent plus à l'avenir, ils n'ont plus de rêve. Mais rêve, tant que tu n'es pas mon rêve, rêve. C'est dans le rêve que Joseph est devenu premier ministre. Rêve que tu as amélioré ta vie. Rêve que tu as amélioré ton niveau. Rêve que les taux de Dieu sont en toi. Mais rêve grand. C'est ce qu'il y a à faire. On est en 2022. C'est fini quoi? Quelqu'un ne peut pas mettre le feu. Josué a bloqué le soleil sur Gabaon. Quelqu'un ne peut pas mettre le soleil. Eh, le jeune serviteur de Dieu. Il a bloqué la main du roi. Il a mis comme statue. Quelqu'un ne peut pas bloquer un président. Nous cassons, nous avons la blocade directe. En blocade, tu vois. Fais une mois en haut, puis tu m'en fais 7. 200 pas, monte à la cité. Puis là, quand vous faites de l'air, on va aller passer là. Il n'y a aucune logique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut faire la grande chose? Amen. Le Dieu d'Abraham, le Dieu qui amène les rêves à devenir réalité. Réaliste à grandeur. Qui est réaliste à grandeur. Qui est réaliste à grandeur. Au nom de Jésus. Alléluia. On peut commencer. À la pointe de ton épée, c'est vivre dans l'espérance des promesses divines. C'est vivre dans l'espérance des promesses divines. Les promesses que Dieu a faites dans la Bible. Quand il dit, tu as fait telle chose, telle chose. Lui qui est comme ça, fait telle chose. Lui qui fait telle chose, telle chose. Accroche-toi à ces promesses. Vis selon ça. Seigneur, je sais que moi, je ne peux pas me sans que cette parole se réalise dans ma vie.
Tu as vu celui qui donne, voilà ce qui va arriver. Tu as vu celui qui plante, voilà ce qui va arriver. Tu as vu celui qui donne au pauvre, voilà ce qui va arriver. Celui qui écoute son père, voilà ce qui va arriver. Celui qui écoute les conseils, voilà ce qui va arriver. Mais Seigneur, je vois ce que je fais actuellement, mais je ne vois rien. Alors déclare ta parole sur ma vie. Mais en plus, le contact du miracle sur ma vie, ta parole est limitée sur ma vie, ta parole est morte sur ma vie, ta parole est éternelle. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Elle ne change pas. Alors pour moi, la parole est finie. Oh Seigneur, je refuse cela. Tu m'as dit, c'est la tête, jamais la queue. Ma famille m'a humilié. Mes voisins m'ont humilié. Je suis chrétien, je ne suis pas païen. J'ai laissé les maladies. J'ai laissé le mari des gens. J'ai laissé tout ce qui est bêtise. Maintenant, je crois en toi. Je t'ai donné ma vie. Je t'ai donné mon cœur. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir tes miracles. Je veux voir tes réponses. Je veux voir les prodiges. Je veux voir les merveilles. Je veux te voir agir dans ma vie. Seigneur, délâche ma vie. Délâche ma vie. Délâche ma vie. Amen. À un autre niveau. Dis Seigneur, déménage ma vie dans le niveau de gloire. Oh Seigneur, merci de ta parole. Je t'aime, Seigneur Jésus. Alors, prenez ton épée. C'est vivre dans l'espérance des promesses divines. Alors, prenez ton épée, c'est aussi obéir fidèlement en toutes choses à Dieu. Peu importe ce qui va t'arriver, continue d'obéir à Dieu. Continue d'obéir à Dieu. Continue d'obéir à Dieu. N'arrête jamais. Josué 1, verset 7. Tu veux vivre. Et quand tu parles, Dieu fait. Tu es en toi, c'est lui. Marche avec fermeté. Marche avec fermeté. Avec détermination et fidélité. C'est trois choses. La parole de Dieu existe. On fait des jeunes de prière. Ça, là, c'est pas Dieu qui fait que ça se déclenche. Je dis que tu veux, quand tu parles, Dieu fait. Tu veux vivre à la pointe de ton épée. À part d'aujourd'hui, marche dans la fermeté, la détermination et la fidélité. C'est toi, c'est qu'il ne faut pas oublier. Sois ferme. Quand tu dis je ne fais pas ça, tu ne fais pas. Quand tu dis toi et puis moi, c'est fini. Peu importe ce qui fait, c'est fini. Tu dis moi, ça, tu ne manges pas. Tu ne manges pas. Que ça me ferme. Déterminé, on ne peut pas échanger. Tu vas sur moi. Même ton père, quand il y a un dessin, quand ils sont coupés, tu te dis là, tu continues. Tout problème qui arrive, tu continues sur moi. Bonheur qui arrive, tu continues. Accident qui arrive, tu continues. Tu vas déterminer. Même pasteur ne peut pas te détruire. Ton père ne peut pas te détruire. Devenir fidèle à tes parents, selon la parole de Dieu. À Dieu, au Christ, même dans tes programmes de prière nocturne. Si tu es si fidèle, c'est fini. Quand tu parles, Dieu fait. Quand tu parles, Dieu fait. Quand tu parles, Dieu fait. Frère, Dieu n'est pas mort. Il est immortel et éternel. Tant que lui est immortel, nous aussi sommes immortels. Tant qu'il n'est pas mort, nous ne serons pas. Vivons dans sa gloire. Alléluia. Vous pouvez quelques versets, vous pouvez aller à la maison, vous pouvez quitter la Léata. Luc 18, verset 7 et 8. Le 18, verset 7 et 8, le 22, verset 40 à 42, Jean chapitre 5, verset 7 au verset 11. C'est pour les trois jours qui est là. Le 18, verset 7 et 8, le 22, verset 40 et 42 à 42, Luc 6, Jacques 5, verset 7 au verset 11. Voilà, nous allons prier. Dieu va prier aujourd'hui. Pardon, tu vas nous montrer que tu parles et quand tu parles, Dieu fait. Au-delà de là, il faut prier. Au commencement était, au commencement n'était pas la prière. Au commencement était, la parole était avec, et la parole était par lui. Quand David avait tué Goliath, il ne priait pas, il parlait. Il dit quel est ce fils de Philistin? Un chien vivant parmi les hommes qui ose insulter le peuple de Dieu. Je vais t'arracher ta tête et les vautours dans le ciel vont manger ton sang. Amen. Goliath aussi a parlé. David a répondu. À la fin, David dit, mais toi, tu as les épées. Moi, je n'ai aucune épée. Là, au nom de l'Éternel, je finis par parler. Ce soir, tu vas parler. Dis à l'autre, ce soir, on va parler. Nous allons point par point. Alléluia. Tu n'as pas besoin de répéter ce que tu dis. Mais parle. Première parole, tu vas mettre ma main au sol. Et tu vas changer l'image de ton village. Il n'y a pas de prière. Déclare de nouvelles paroles sur la terre de ton village, sur les eaux, les forêts, les champs,
et le village de tous les ressources de ton village. Change les choses dans ton village. La main sur le sol. Parle à la terre, parle à ton village. Ce soir, il n'y a pas de prier. Parle. La gloire de l'éternel Jésus-Christ de Nazareth. C'est la parole vivante. Je déclare ce jour, en me tenant dans le sang de l'agneau, que le bien de Wassou est sauvé par la gloire de Jésus. Et converti à Jésus, je proclame que le bien de Wassou est prospéré, est comblé des richesses divines. De la même façon, le Seigneur a aimé Israël. Je proclame que l'amour de Dieu se trouve au sous et la repas de ses cassons. Je proclame au nom de Jésus le sous-sol, le sol, les eaux et toutes les maisons de Wassou sont riches et prospères. Jusqu'au retour de Christ, je proclame que les hommes les plus oui, les plus bénis et les plus riches proviennent de Wassou, la région de ses cassons. Je proclame la sagesse illimitée de Dieu sur tous les habitants de Wassou. Je déclare que les fondements sataniques de Wassou, je proclame que les forteresses de Wassou soient renversées par le sang d'agneau. Je déclare même Jésus que le sang de Jésus est la forteresse de Wassou, que la parole de Dieu est la fondation de Wassou. Je proclame la lumière de Christ sur tout Wassou dans le Saint-Sou. Je proclame au nom de Jésus le salut de tous les hommes de Wassou. Soit porté à jamais et éternellement le peuple de Wassou dans la région de Saint-Assou. Au nom de Jésus, je proclame la défaite et la fin du règne de la sorcellerie, des esprits de sorcellerie, des esprits humains, des esprits de génie, des esprits de pigme, des esprits de ténèbres, et de la fin de votre. Au nom, je proclame le règne de Jésus-Christ. Je proclame le règne de Christ sur toute la région de Saint-Assou. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, descend avec tes anges et enlève la tête de tous les sorciers, les mystiques, les charlatans, les féticheurs, les commis de Saint-Assou. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La fille de Jésus de ton village dit par la parole de Dieu. Ainsi mon village a changé à la gloire de Jésus. Dis, on va encore prier. C'est mon bien maintenant. C'est mon bien maintenant. Notre pays, le pays d'où tu viens, impose la main à la terre. Comment tu veux que ce pays soit? Proclame la parole sur ce pays. La main au sol. Parle à la terre de ce pays. En vertu du pouvoir du nom de Jésus-Christ, je me tiens dans le sang de l'agneau. Je déclare le Saint-Esprit de Jésus-Christ, maître absolu de la Côte d'Ivoire. Je proclame la conversion du peuple ivoirien à Jésus-Christ. Je proclame la fin du règne des marabouts, des charlatans, des mystiques, des francs-maçons, des magois, des magloires, des Jézabel, des princes de guerre, des princes de mort. Sur la Côte d'Ivoire, je proclame au nom de Jésus-Christ que la lumière de Jésus règne sur la Côte d'Ivoire, règne sur tout le peuple ivoirien. Les étrangers dans ce pays sont convertis à Jésus. Je proclame la conversion des autorités, la conversion des enfants, des jeunes, des fonctionnaires et de tous les corps habillés, des magistrats. Au nom de Jésus, je proclame la lumière et la gloire de Dieu. Pénètre la terre ivoirienne jusqu'au cinquième du sol. Je proclame le renversement des fondations et des fondements sataniques en Côte d'Ivoire par le sang de l'agneau. Je proclame que la parole de Dieu est la fondation de la Côte d'Ivoire. Je proclame que le Saint-Esprit est le fondement de la Côte d'Ivoire. Je proclame que l'amour, la vérité et la crainte de Dieu sont la base de la nation. Au nom de Jésus, nous proclamons au nom de Jésus la communauté, l'entente en Ivoirien, la paix. Et nous proclamons le renversement des pouvoirs maçonniques en fait de notre pays. Je déclare au nom de Jésus, éliminer le clair de paix
ton retour. Nous proclamons le règne des Ivoiriens en terre de la Côte d'Ivoire. Nous proclamons le sol et le sous-sol, les océans et la mer, les fleuves et les lacs, le sol et le sous-sol ivoirien. Même l'air de la Côte d'Ivoire est béni et riche à partir d'aujourd'hui. Nous proclamons ce pays développé. Nous proclamons la Côte d'Ivoire comme elle descend. Nous proclamons que la Côte d'Ivoire comme elle est développement, un développement éternel au nom de Jésus. Nous proclamons la richesse. Même le plus pauvre de ce pays est limité au moins à 10 millions. Nous proclamons un pays béni, un pays comblé. Nous proclamons la fin de la nation de la France avec la Côte d'Ivoire. Nous proclamons que ce pays est libre et indépendant de faire ses choix. Au nom de Jésus, nous proclamons la victoire de l'Église sur toute la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus, que le règne du Saint-Esprit, le règne des saints qui est naturel, le règne du Saint-Esprit, le règne du Dieu des enfants, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, soit établi sur la Côte d'Ivoire jusqu'au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il change les choses. Quand les fondements sont renversés, que doit faire le juste. Et maintenant, on n'a pas de médicaments. On n'a pas de médicaments. On n'a pas de badge. On n'a pas de badge. Mais on peut tout changer. On peut tout changer. Tu vas prier pour la terre. Pour le globe terrestre. Comment tu veux que ce monde soit? C'est pas moi qui te dis. Change les choses sur la terre. Tu vois ce qui se passe. Change les choses. Je me tiens dans ton sang, Lord Jésus. Je déclare le règne du Saint-Esprit. Le règne de Jésus-Christ sur l'Afrique, l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Australie, l'Amérique et toutes les îles de tous les habitants de la terre. Règne des aventures. Je proclame la partie d'aujourd'hui. L'amour de Dieu est créé de Dieu dans tous les corps. Je proclame le nom des chemins maçonniques, les fondations des Illuminati. Les fondations existent, les fondations coloniales, dans l'Amérique, dans l'Europe, dans l'Asie, dans l'océan de la Pluie, soit renversées au nom de Jésus. Et nous proclamons la fondation de la parole de Dieu comme fondation universelle, fondation de tout le corps terrestre. Nous proclamons la lumière, la beauté, la paix et la justice, l'équité, l'amour, la crainte de Dieu, la liberté et la joie. Sur les fondements de la fondation de tout le monde en presse, nous proclamons le règne de Saint-Esprit, le règne de Jésus-Christ sur toute la terre. Désormais, la paix des nations, nous proclamons les hommes et les femmes. Mais de nouveau, règne Dieu, nous baptisons en Jésus et la paix de tout le monde. Au nom de Jésus, nous proclamons la paix, la paix, la paix, la paix et la victoire de l'Église sur tout le monde qui reste. Au nom de Jésus. C'est pas fini. Bien qu'on c'est pas fini. Allez, depuis la prière, quand même. Mais ce que tu as fait là, ça va arranger. On va changer les choses au niveau de l'église chrétienne, notre assemblée et les autres églises dans le monde entier. Comment tu veux que ces églises soient? Impose la main à la terre et déclare sa parole. Père, je me dis par la foi et par la puissance, je me tiens dans le sang d'amour. Et je déclare par la vertu de l'autorité du Saint-Esprit que l'Église Christ s'améliore. Elle périt de la bénédiction éternelle du Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac et d'Israël. Au nom de Jésus, je proclame que le Père et l'Église s'améliore sont sauvés. Jésus-Christ est la fondation de l'Église Christ s'améliore. Mais sa lumière se passe sous ses mains. Sa crainte et son amour, la liberté et la charité animent tous les cœurs à Christ-Saint-Louis. La tendance, la harmonie, l'entente, les ailes de l'Évangile, l'onction, les miracles, la résurrection, les délivrances, les guérisons et les surnaturels. Elle visite et manifeste à Christ-Saint-Louis. Père, nous déclarons la crainte de Dieu à Christ-Saint-Louis. Nous proclamons le salut de toutes les âmes à Christ-Saint-Louis. Nous proclamons la défaite et la condition, ainsi que la mort de tous ceux qui s'attendent à l'œuvre de l'Église Christ-Saint-Louis. Au nom de Jésus, nous proclamons que ton Église vive le
C'est toi-même qui es là. Pour toi-même, on va préparer la poussière. On va prier pour nous-mêmes. On va préparer la poussière. Chaque jour, musique là. On va prier pas pour vous-même. Chaque jour, musique là. Et prie pas pour vous-même. Petit, laissez instrument là. Venez prendre ça, venez prier pour vous-même. Alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Non, mais sans prétendre, chacun prend les armes là. Est-ce que ça vous sort? Regarde, c'est ça, c'est ton image là, c'est toi. Ta vie là, c'est ça, on dit maintenant. Parce que vous priez pour moi là, quand même, il faut parler. On va dire, Seigneur, vous faites gagner ma vie. Seigneur, je proclame que ce temps de ça, étant donné que tu vas prendre le poussière, le voici. Je proclame ainsi chaque parole, ma main sur cette terre, et que cette terre le soit, ma vie le soit cela. Ainsi, je sois transformé à l'image de ce sens sur la terre, sur ma vie. Vous qui êtes en ligne, tout le monde a fait? Est-ce que tout le monde a fait? On peut prier? Oui. Moi, je vais moi, je ne fais pas les prières, petit. Tu as fait la terre, je vais me foutre dans la rue ici. Chacun prie chez vous. Parce que je suis un millier de petites prières. Le monde, il y a beaucoup qui font un chemin pour toi. Si tu as fait comme pour moi, c'est pas grave. Mais pour moi-même, je vais seulement à terre. Quand il y a dit ici, tu as trompé ma femme. Il faut me prendre en même temps. Tu as vu? Tu ne pourras pas écouter ça. Donc, il faut que tu prennes. On va me dire. Chacun peut prendre lui-même, chacun a sa vie. Au fait, ce n'est pas prier en fait. C'est des déclarations. Tout ce que tu veux que ta vie soit, déclare ça. Au commencement, on va répéter ensemble. Mais à partir de l'instant où je dis mon nom, tu dis ton nom, tu fais le reste par nous. C'est compris? On peut commencer? Oui. Ceux qui sont en ligne, tu n'as pas envoyé ça. Vous pouvez pas prendre ça, vous venez, vous priez dessus. L'essentiel, c'est de poser l'action. Mets ta main dessus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me tiens dans le sang de l'agneau. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Qu'au commencement était la parole. Que toute chose était faite dans la parole. Et ainsi, éternel Dieu des armées.
La poussière sur la tête se trouve ma main. C'est ma vie. Et c'est moi. Que chaque parole que reçoit sa poussière transforme ma vie. Change ma vie. Et soit ma vie. Au nom de Jésus. Moi, ta ligne, elle est Jésus. Commence à prier, commence à déclarer la parole. Je déclare partout aujourd'hui. Je suis trillionnaire, multi-trillionnaire. Au nom de Jésus, à valeur de dollars. Au nom de Jésus, je proclame que ma vie fait la joie de Christ sur terre. Et depuis le ciel, les anges de Dieu, fidèles à Dieu, et les princes de Dieu se réjouissent de mon existence sur terre. Je proclame que la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, les aides de l'évangile soient débordants dans ma vie. Je proclame sans limite mon amour pour tous les êtres humains et que mon amour pour Dieu soit illimité. Au nom de Jésus, je proclame la parole de Dieu est ma fondation. Je proclame que le Saint-Esprit est mon compagnon de service et mon guide. Au nom de Jésus, je proclame en moi désormais se trouvent les sources de la vie, les sources de richesse, les sources de création de richesse, les sources de la guérison, les sources de l'onction et de la résurrection, les sources de miracles et du surnaturel. Je déclare partout aujourd'hui, dessus le siège et le tremplin du Saint-Esprit, que la plénitude de l'Esprit soit mon partage. Je déclare partout aujourd'hui une vie complète, joyeuse et prospère, au bénéfice de tous les Ivoiriens. L'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Océanie et le Moyen-Orient et toutes les îles, que tous ceux qui sont en contact avec moi soient bénis de la bénédiction de Dieu sur ma vie. À partir d'aujourd'hui, je déclare que je suis le complice de Jésus-Christ sous terre. Je suis la couronne de gloire de Dieu et que ma main soit la main de Dieu. Après, je m'appuie sur la bouche de Dieu. Mes yeux sont les yeux de Dieu. Mes oreilles sont les oreilles de Dieu. Que mon cœur soit le cœur du Christ. Que ma personne soit effacée. Mais que le Christ vive maintenant en moi, que sa gloire soit transportée en moi, que sa lumière chasse tout bien dans moi, et que le feu de Dieu déborde en moi, le rayon des kilomètres et des kilomètres. Au nom de Jésus, Père, je scelle ton nom à ma vie, Jésus-Christ. Je scelle ton nom à ma vie. Tel tu es, je déclare, je suis, jusqu'à ton retour, au nom de Jésus. Quand ça venait prière, pour dire ainsi, là où je retourne sa poussière, elle règne sur toute la terre. Au nom de Jésus. Tu peux parler, ça va, merci. Même si tu n'as pas pris tout, je suis la prière, mais c'est bon. Je suis reine de l'homme qui règne, il règne la démon tremble. Je suis reine, il règne la démon tremble. Je suis reine, il règne la démon tremble. Toi, ma soeur, toi, mon frère, je suis reine, la démon tremble. Je suis reine. Thank you.
Il y a quelqu'un, moi que tu vois là, il faut m'oublier. Mais Jésus t'est devant toi. Tel est Jésus. Tel je suis. C'est vrai ou pas? Amen. Dis-moi que tu vois. Laisse tomber. Mon Dieu soit infini. C'est Jésus qui est là maintenant. Alléluia. Tu crois qu'il est une nouvelle personne? Tu crois qu'il est une nouvelle personne? Après la personne de Jésus, tu nous donnes. Nous allons prendre nos offrandes. Répète cette prière avec moi. Répète avec moi. Dis Jésus-Christ dans les cieux et sur la terre. Ton règne est éternel. Tu es la base de l'offrande de ce jour. Je sais l'action de ce jour. Et ma vie nouvelle. Ton règne en moi. C'est un nouveau témoignage dans mon pays, dans mon village et dans tout le monde entier. Cette fois, dans le sang de l'agneau, désormais, à la pointe de mon épée, je règne, je marche de gloire en gloire, de victoire en victoire, de richesse en richesse, de puissance en puissance, au nom de Jésus-Christ. Père, agrée mon offrande, agrée mon offrande, agrée mon offrande. Et bénis-le de mes mains au nom de Jésus. Si tu l'as marqué, si que je vais se passer entre toi et ton Père, le Père Dieu, merci Seigneur d'éviter chaque offrande. Que soit cette offrande symboliquement, en faisant de ces hommes et ces femmes des vases d'honneur. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont préparé ce culte. Elles vont retourner chez eux. Ils vont retourner chez eux. Que personne ne les reconnaisse. Que l'onction s'attache à ce culte change leur vie. Que ton esprit guérit à ce message change leur vie. Jésus-Christ, je sais que tu es là. Merci Seigneur pour ces milliardaires, ces chefs d'entreprise, ces points de Dieu. Oui, ces hommes bénis, ces élus que je vois devant moi. Au nom de Jésus-Christ, amen, nous sommes là. Tu vas m'en trouver. Seigneur, je me couvre avec ton sang. Que ton sang soit un manteau autour de ma vie et tout ce qui touche à ma vie et me rend inaccessible, invisible, inflexible, indomptable devant le retour des démons, les flèches de la bestie. Au nom de Jésus, Père, je plonge ma vie dans le creux de tes mains. Et je déclare que je suis couvert de l'onction du Dieu vivant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis amen. Nous allons prier pour la semaine qui n'est pas encore terminée. On a la nuit de mercredi qui est encore quelques heures. Et jeudi jusqu'à dimanche. Tu vas confier cette nuit de mercredi jusqu'à dimanche à Jésus-Christ que ce que tu n'as pas eu depuis lundi jusqu'à ce jour. Que la main puissante de Dieu ménage favorablement sa grâce dans ta vie et accomplisse des miracles pour toi. Prie au nom de Jésus. Éternel, nous te confions la suite de cette semaine. Pour moi, pour ton peuple, pour nos familles, notre nation et le monde entier. Tout ce qui n'a pas été fait, que nous t'avons demandé, depuis ce lundi jusqu'à ce mercredi, à partir de cette nuit jusqu'à dimanche, nous réclamons ta parole et ta volonté. Sur toutes les prières de ton peuple, sur les activités de ton église, sur tous les projets de la nation et du monde entier. Favorise ton peuple, favorise tes seigneurs et tes servants, en faisant les produits des miracles dans l'oubli, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et là, quelqu'un au téléphone, tu es venu.
foi même à l'église. Mais en vérité, c'est l'Éternel qui a dit, viens, je t'annonce une très bonne nouvelle. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. En la gloire de Jésus-Christ, les gens vont t'appeler petit Jésus. Dis, c'est moi qui t'ai dit. La famille, ton village, le pays, la terre, on va supporter ta gloire. Tu vas provoquer la jalousie. Mais sois fort. C'est ainsi a été Joseph. Peu importe la jalousie. Tu es un conquérant. Un vainqueur. Un trillionnaire. Un trillionnaire. Tu es né pour être en haut. Range-toi en paix. Réveille-toi comme un roi. Et vis dans la gloire. Au nom de Jésus. Tu as dit Amen. On va trouver le lieu d'amour. Nous sommes un. Nous sommes un. Pour les enfants de Satan.
Amen. 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 Ok. Somme 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Me dirige par les eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je ne crains aucun mal quand tu es avec moi. Dresse-moi, moi, ta main face, ma dresseur, tu pointes ma tête et ma coupe de vol. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de ténèbres jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus. Amen. Par excellent, nous, à chacune et chacun de nous, faites des rêves en couleur, que ce soit bénévole sur nous. On est ensemble sur le paradis. Demain, de 9 à 13 heures, je reçois. Dis comme le malheur de Dieu, je suis ici de 9 à 13 heures. Cette nuit, plus de prix, mais tu as prié. On est là, tu n'as pas la maison. Mais on va faire 3 heures. Tous les